Salut à tous, la team OL, toi-même show, Étienne Poker et Constant et un invité exceptionnel puisque c'est une légende de la Ligue 1, carrément. C'est Cédric Carrasso, bienvenue à Cédric Carrasso, merci de nous accorder du temps pour une petite interview, du temps sur notre live. Merci beaucoup Cédric, vraiment, parce que c'est rare d'avoir un joueur pro qui vienne nous voir. Et ta gentillesse est vraiment très cool. Merci à toi. Ça me fait plaisir de passer un peu de temps avec vous, de parler de ce beau club, surtout que vous supportez. Ça reste un grand club quand même en France, en Europe. Donc, ça me fait plaisir de passer un petit moment avec vous. Ouais, et puis c'est grâce à Étienne Poker, hein, tout ça. Étienne, coup, ouais. Voilà, vas-y, raconte-nous un petit peu là. Je vais vous raconter, c'est incroyable. Je suis en train de jouer un petit coup de poker sur ma petite table un matin, un beau matin, et je joue contre un sportif, puisque sur Winamax, vous voyez tout simplement les sportifs, ils ont des petits logos à côté de leur pseudo. Et du coup, je joue le coup. Et puis, le sportif en question, du coup, c'était Cédric. Et il me dit, GG, Étienne, pour ce que tu fais, c'est cool, c'est top. Je suis sur le live, etc. Et je vais voir parce qu'en fait, vous avez le pseudo, mais au début, vous ne savez pas qui c'est. Vous avez plein de sportifs hein, sur Winamax. Vous avez des rugbyman, tous les footballeurs. Et c'est vrai qu'au début, je tape le pseudo sur Google, je ne le trouve pas. Ça me met un rugbyman que je ne connais pas, je ne suis pas le rugby. Et puis, il vient sur mon live, sur mon chat, et il me dit, non, c'est moi, ce n'est pas le rugbyman, c'est Cédric Carrasso. Et du coup, j'ai tout de suite sympathisé avec lui et je lui ai proposé une petite interview sur la chaîne et il a tout de suite accepté. Étienne, il faut le dire, c'est très sympathique parce que nous, on demande régulièrement à des anciens joueurs de l'OL de venir. Je te promets qu'il n'y en a pas beaucoup qui répondent. Et pourtant, on a une chaîne, on a une grosse, grosse chaîne hein, sur l'actualité de l'OL, etc. Donc, c'est pour ça que c'est un privilège, c'est un honneur de t'avoir, vraiment. C'est cool. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est cool. Et en Lyon, plus, ça Lyonnais. Vie en plus, donc ça va. Comment Lyon, l'OL a rythmé un peu ma vie quand même. C'était quand même des gros matchs à chaque fois. Donc, tu vas nous en parler. Et t'es avignonnais en plus, comme Constant qui est là. Les meilleurs, ils sont là. C'est ça. Bienvenue à vous dans le chat YouTube, le chat Twitch aussi, les amis. Vous pouvez interagir avec nous si vous avez des questions pour Cédric. N'hésitez pas. Évidemment, on essaiera de prendre quelques questions à droite, à gauche. Alors, Cédric, on attaque un petit peu cette interview, cet échange plus concrètement. Alors, tu as fait une super interview chez Colin. Hein. Le but, c'est pas de refaire la même interview que chez Colin parce que Colin… Ouais, non, le but, c'est de magnifique. Parler. Ouais. Passionnant. Alors, un petit résumé, un bref résumé, parce que donc je vais mettre hop la carrière, c'est ce qui va nous guider au terme de cet échange, tout au long de cet échange. Je rappelle 352 matchs de Ligue 1, hein, on se trompe pas, hein, Cédric, tu m'arrêtes, je sais pas si tu as en Ligue 1, ça doit être ça à peu près. Je crois qu'en tout, il y a à peu près 500 matchs, tout compris, quoi, entre les coupes. Je vais te le dire. 352 matchs de Ligue 1, 19 matchs d'Europa League, 9 matchs de Champions League, une sélection en équipe de France, on y reviendra tout à l'heure, en 2011 contre la Pologne, même s'il y en a d'autres, mais une sélection, voilà, équipe de France. En tout, ça fait 475 matchs, ce sont les statistiques de Transfer Market, 479 buts encaissés, 171 clean sheets quand même. Là où tu as joué ton plus grand nombre de matchs, c'est avec les Girondins de Bordeaux. 314 matchs entre 2009 et 2017, 8 ans chez les Girondins de Bordeaux. 85 avec l'Olympique de Marseille. Il y a eu Toulouse, il y a eu Galatasaray, il y a eu aussi Crystal Palace. Mais on va en parler Guingamp une année en Ligue 2. Guingamp une année, on va en parler de tout ça. Parce que voilà, moi ce que j'aimerais, et puis avec mes collègues, c'est qu'on retrace un petit peu ta carrière et les grands joueurs que tu as pu rencontrer, peut-être des petites anecdotes, des petites choses. Alors bon, tu as Crystal Palace en 2001-2002, tu as été prêté là-bas. Ouais, c'était en Division 1 ou en… Championship, tu as été sous les ordres de Steve Bruce, qui est vraiment connu du championnat anglais, alors jusqu'au 2 novembre, après il a été démis de ses fonctions. Tu as fait un match là-bas… J'aimerais déjà avoir ton retour sur la première ligue et sur la première ligue, l'Angleterre et Crystal Palace. Ben, je me retrouve à Marseille un peu barré par les différents gardiens, les changements de direction, tout ça. Et c'est vrai que j'ai cette proposition de prêt à Crystal Palace. J'ai 20 ans,
Je me dis, ben, écoute, pourquoi pas tenter l'aventure une année. J'y allais avec l'ambition de jouer avec l'équipe des jeunes parce qu'il y a un championnat parallèle là-bas en Angleterre où tu te déplaces avec l'équipe une, mais tu joues contre la réserve. C'est le championnat des réserves, on joue contre les mêmes équipes que les pros. Donc pour moi, ça, c'était mon objectif de faire ce genre de match-là, apprendre l'anglais aussi, et vraiment en étant en mode immersif. Et voilà, de découvrir une nouvelle aventure. Et ça se passe beaucoup mieux que prévu. Je suis quasiment tout le temps dans le groupe et gardien remplaçant, et j'ai eu la chance de jouer un match. Et si tu préfères, à ce moment-là, ils ont voulu me garder. Ils m'ont proposé avec 3 ans de contrat, sauf que je n'avais pas d'option d'achat. Et Marseille voulait absolument me récupérer. Donc, ça a été une année rapide, mais ça a été vraiment pour moi une année de construction à plein de niveaux. Et il me reste pas mal de choses, dont l'anglais. C'est pour ça que je parlais de l'anglais. C'est pas mal. C'est un truc que j'ai pu garder toute l'année, quoi. Enfin, toute l'année, toute ma vie, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Et ouais, c'est très, très cool. Donc, Crystal Palace qui fait partie de Eagle Football, hein, tu le sais. Hein, maintenant, c'est la galaxie de John Textor. Hein, donc, c'est aujourd'hui un club qui appartient à… C'est le premier club de Londres. Football, ouais. Et c'est ouf. Après, donc, alors, OM, 2002-2003, tu as un entraîneur qui est connu du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est Alain Perrin. Oui, c'est troisième de Ligue 1, tu avais Rougné dans cette équipe. Le Boeuf en tant que capitaine, hein, tu me dis si je me trompe, Brandao, Bakayoko, Sako et Sitchef. Mmh. Ouais, déjà des beaux noms. Il y en a qui n'étaient pas nés, je pense, à cette époque. Ouais, mais oui, non, c'est… Alain Perrin, c'était le vrai formateur. Moi, j'en ai de bons souvenirs. Hein. J'étais jeune, donc d'être un jeune joueur avec lui, c'est intéressant parce qu'il laissait la chance à tout le monde. Donc, c'est avec lui que j'ai fait mes premiers matchs. C'est avec lui que j'ai reconnu la deuxième fois la Ligue des Champions parce que je l'avais déjà connu en 2000 quand j'ai commencé à être pro à Marseille. J'étais sur le banc, j'avais déjà connu une première campagne de Ligue des Champions. Mais là, c'était ma deuxième où voilà, on a fait une super année la première saison, on a fait second et derrière on fait un beau parcours en Ligue des Champions malgré, personnellement moi je me blesse juste après un match au Real Madrid, mais c'était une belle aventure avec Alain Perrin. Oui, c'était un gars qui a compté dans ma carrière parce que ça a été mes premiers matchs en Ligue 1. Ouais, puis nous, les gars, je crois que nous on a gagné des trophées soit Alain Perrin ou à l'Olympique Lyonnais, hein. On avait fait doublé coupe championnat. Ça s'était mal passé, nous, à la fin, puisque les joueurs, Cédric et les copains ici, je crois qu'il avait dit, Govou, en gros, ils s'étaient auto-gérés un petit peu à la fin, c'est-à-dire que Alain Perrin n'avait plus du tout de la main mise sur le groupe. C'est ça qui avait été très étonnant. Et il avait été viré malgré une coupe championnat, tu vois. Donc, c'est ça. Raf Football. Cédric, ça t'avait surpris de voir justement Alain Perrin ne pas réussir à l'OL? Enfin, réussir, il a quand même gagné un championnat et une coupe, mais ne pas s'imposer dans le temps. Ouais, après, je pense que c'est un entraîneur qui demande beaucoup qui est très exigeant dans ses domaines à lui. C'est le genre d'entraîneur qui est capable de faire pour moi 2-3 années dans un club, mais pas plus. Donc, c'est vrai qu'il demande tellement de choses. Il y en a plusieurs comme ça de profil hein, que j'ai connu moi durant ma carrière. De ces entraîneurs qui en demandent, comme Guy Lacombe aussi, je me souviens, c'est un peu comme ça. C'est des coachs qui sont très performants sur les 2 premières années parce qu'ils amènent vraiment le groupe, ils tirent sur le groupe, sur voilà, différents aspects, mais qu'après, c'est vrai que ça peut, sur le long terme, être plus difficile selon les caractères que tu as dans l'équipe. Ouais. Mais ça reste, pour moi, on ne peut pas dire que ce n'est pas une réussite quand même, parce qu'on voit aujourd'hui Alain Perrin, c'était Galtier en plus qui était adjoint. Ouais, exactement. Ouais. Donc, on sort un autre super entraîneur. Ils font un doublé à Lyon. Je crois que c'était le premier doublé Coupe Championnat. Ouais. Voilà. Donc, ça reste… Voilà, malgré les couacs, on ne peut pas dire que voilà, c'est des gars performants. Je pense plus même qu'Alain Perrin à Lyon a été victime du fait que c'était un groupe qui avait déjà tout gagné ensemble dans un organigramme très lyonnais. Justement, oui. Et je pense que le fait d'arriver comme ça, ça a dû être difficile pour lui. C'est dommage parce que moi, je trouve qu'il n'avait pas été si bien accueilli. Et dans les résultats, au final, c'est la seule fois où on fait le doublé et on termine sur ça quand même. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Après, est-ce que justement, dans l'attitude avec les leaders,
C'était quelqu'un qui était plutôt dans la confrontation ou quelqu'un au contraire qui allait beaucoup communiquer avec eux? Il pouvait un peu titiller, il pouvait. Nous, on a eu le même problème à un moment donné à Marseille. C'est pas quelqu'un qui laisse les cadres dans le plus grand des conforts, qui essaye toujours de remettre tout le monde en question. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce truc dans le foot où tu as des joueurs qui sont là depuis des années. Comme tu dis, à l'OL, ils avaient tout gagné. Hein. C'était le grand Lyon. Donc, c'est dit. Mais il faut s'affirmer en même temps. Donc, tu marches un peu en eau trouble. Tu as envie de… Enfin, tu nages en eau trouble plutôt. Marcher en eau trouble, c'est un peu tard. Mais du coup, tu as vraiment ce truc où tu… Tu dois t'affirmer parce que quand même, on te dit, bon, ben, Alain Perrin, ok, ouais, bon, dans un groupe lyonnais qui a déjà gagné plein de fois le championnat, c'est bizarre. Donc, le mec, il doit s'imposer. En même temps, tu as des tauliers qui sont indéboulonnables. Tu ne peux pas leur dire grand-chose. Ouais. Tu essayes quand même, à un moment donné, de t'affirmer. Il faut avoir du caractère parce que si tu arrives, par contre, et que tu laisses faire comme les joueurs, ils ont envie, ben, tu t'en sors pas. Je pense que s'il n'avait pas fait comme ça, ils n'auraient jamais fait le doublé, par exemple. Puis c'est complètement vrai. Après, il me semble aussi qu'il s'était justement un peu brouillé avec Juninho, hein, si je dis pas de bêtises, justement à l'époque. Ouais, et puis avec beaucoup et avec d'autres, hein, avec Govou, ça s'était un petit peu monté le bourrichon. Mais c'est ça qui est très paradoxal, justement. Et c'est vrai que ça me fait penser aussi à des entraîneurs un petit peu comme Mourinho, voilà, des entraîneurs, bah, comme tu pouvais le dire juste avant, où c'est voilà, sur 2 ans, 3 ans maximum, et après, ça tient pas plus longtemps, quoi. Alors, la suite de ta carrière en OM, toujours 2003-2004, 7e de Ligue 1 à la fin. Alors là, tu es toujours avec Rougnier. Tu as Barthez aussi. C'est ça qui vient d'arriver. Alors, Barthez, il y a eu cette, tu l'as raconté, cette anecdote où ça s'était mal passé au début. Puis ensuite, un grand mec de ta carrière, celui qui t'a peut-être donné plus de conseils. Tu as Daniel Van Buyten dans cette équipe. Oui. Tu as Habib Bey. Tu as Kamel Meriem. Ça aussi, c'était ça pue la Ligue 1 des années 2000. Tu as Mathieu Flamini. Ahmed Ossa, Mido et puis Didier Drogba. Ouais. Ça c'est la grosse équipe de l'OM. Ça c'est des grosses. Moi j'ai des super souvenirs. Alors pour revenir un peu en arrière, juste 10 secondes. Vas-y. Grand que j'ai eu la chance de connaître pour moi, c'est au tout début que j'ai commencé. J'ai connu, moi il y avait Georges Weah qui a fini une partie de sa carrière à Marseille. Il avait 36 ans. Okay. Moi j'étais jeune, j'avais 18-19 ans et voilà, c'est juste pour revenir sur lui, pour dire que c'est vraiment le premier très, très grand joueur que j'ai pu côtoyer. Un ballon d'or comme ça, et surtout un joueur formidable, un homme magnifique avec les jeunes. Et c'est vrai que, bon, alors là, on va rebasculer. Didier Drogba, enfin, tous ces joueurs, c'était extraordinaire. Didier Drogba, au niveau attaquant pur, je pense que ça fait partie des plus grands que j'ai pu rencontrer. Devant le but, c'était un tueur. Enfin, le gars, c'était… C'était très difficile pour les gardiens de l'affronter. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y avait une équipe vraiment intéressante à cette époque-là. C'est dommage que ça n'ait pas tenu un peu plus longtemps, que voilà, à Marseille, la stabilité par moment, c'est compliqué. Il a dû partir au bout d'un an parce qu'il y a eu une offre incroyable à l'époque de Chelsea. On parle de 35 ou 37 millions d'euros à l'époque. Pour vous mettre dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que ça ferait un bon 180 millions d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Ah, comme Mbappé de Monaco, PSG, quoi. Ouais, non, c'est énorme à cette époque-là. Enfin, il n'y a jamais eu de transfert comme ça à cette époque. Hein, les transferts ont explosé. Maintenant, les chiffres ont explosé. Mais si on remet dans le contexte, c'est quasiment Mbappé à l'époque. Ouais. Ça s'arrêtait pas. Enfin, c'était un joueur extraordinaire, vraiment complet, un bon gars, quoi. On avait vraiment un bon groupe à cette époque-là. Et ouais, parce que franchement, regarde, même Kamel Meriem, à l'époque, tu sais, on disait que c'était le futur Zidane. Hein. Il y en a eu beaucoup. Hein. Kamel Meriem, même Ahmed Ossam Mido, qui me fait penser un peu à Ibrahimovic. Hein. C'était le mec un peu… Ils ont joué ensemble, en fait. Ouais. Ils ont joué ensemble à l'Ajax Amsterdam. Ouais. Ils se sont même battus ensemble, je crois. Et c'était… c'est ça. Vous avez jamais regardé le reportage sur Zlatan? Il en parle, je crois, de Mido. Ah ouais, c'est les mêmes caractères, les deux, en fait. Et ils se ressemblaient physiquement un peu aussi. Hein. C'est les mecs, des balèzes un peu. Ils se ressemblaient un peu, ouais, c'est vrai. Ils avaient ce faciès avec le bonnet et tout qui va avec. Ouais. C'est vrai, exactement. Ensuite, alors, tu pars en prêt. Tu pars en prêt du côté de Guingamp en Ligue 2. 2004-2005.
Donc le président s'appelle Noël Le Graët, hein, c'est bien ça, hein. Ouais, c'est ça, Noël Le Graët. Tu fréquentes des anciens Lyonnais du côté de Guingamp, Maxence Flachès, qui a été un temps sur l'OLTV en tant que consultant, Laurent Koscielny aussi, on ne représente plus Laurent Koscielny, Cédric Bardon, ancien de l'Olympique Lyonnais aussi, Fabrice Abriel, qui est passé aussi par l'OM, Fauré et Nicolas Gousset. Ça, ça sent vraiment la Ligue 1, des... Ligue 1, Ligue 2 des années 2000. Un passage quand même intéressant pour toi, hein, quand même, parce que ça va te servir, je pense, ce passage ensuite à l'Euro 2012. Dans ton rôle avec l'équipe de France, hein, Noël Le Graët. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Parle-nous déjà de Noël Le Graët. Il est au centre des polémiques. Comment toi, tu l'as connu à cette époque-là? Est-ce que c'est l'image qu'on a de Noël Le Graët est la même que celle que tu avais auparavant? Raconte-nous un petit peu tout ça, parce que c'est la Ligue 2 aussi. Tu passes par un championnat. Oui, c'est un choix. Il y a une opportunité qui arrive. Je suis en pleine forme cette année-là. Et c'est vrai qu'il y a Barthez qui est en place, bien sûr, à Marseille avec d'autres gardiens. Et j'arrive vraiment en grande forme et je sens que c'est un déclic pour moi. Il faut que je joue. Et je pars à Guingamp. Et ça s'avère être un des meilleurs choix de ma carrière parce que derrière, j'ai joué beaucoup de matchs. Et c'est là où derrière, je reprends à Marseille et que je commence vraiment ma carrière en Ligue 1. Mais Noël Le Graët, si tu préfères, il fait partie au départ. Je ne vais pas rentrer dans l'actualité du jour parce que j'en suis loin maintenant. Okay. Mais si on prend moi, mon époque à Guingamp, Noël Le Graët, il fait partie de ces grands présidents comme vous avez eu maintenant à l'OL, comme Jean-Michel Aulas, comme ces présidents emblématiques. Hervé Martel, tu sais, c'est les présidents Carlo Molinari, comme Cora Monaco. Des vrais présidents qui se donnent corps et âme pour leur club. Ils défendent toujours leur club, ils défendent toujours leurs joueurs, ils se donnent à fond pour ça. En général, c'est des gens qui sont très compétents, on va dire, dans leur domaine hors football, dans leur finance, dans tout ça. Donc, c'est des gens qui sont capables de faire vraiment de belles choses, de construire un club. Et Noël Le Graët, c'est exactement ça. C'est un gars, il faut s'imaginer, pour Guingamp, pour moi, pour voir le contexte, Guingamp, la ville, c'est, à l'époque où j'y étais, je crois que c'était 7500 ou 8000 habitants. Ouais. En moyenne, vous aviez entre 14 et 18 000 personnes au stade. Incroyable. Donc, imaginez comment c'est possible de rentrer, voilà, ces deux villes dans un stade. Donc, il y avait tout ce qui était fait derrière était magnifique. Donc oui, moi, j'ai connu un président vraiment intègre qui aimait son club et qui… Voilà, un grand président, quoi, comme j'en ai connu d'autres. Hein. J'ai connu Pape Diouf. Eh oui, je le regrettais, Pape Diouf. Jean-Michel, comme vous disiez, Molinari, enfin, Martel. Ces gens-là ont fait un bien fou au football français. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui, hein, ce genre de président, tu vois, parce qu'on dit… Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lance juste un petit peu le sujet Jean-Michel Aulas. On dit que Jean-Michel Aulas est dépassé. On le dit souvent sur cette chaîne. Il n'a plus les codes. Il paraît vieux. Excusez-moi, c'est un peu un terme péjoratif. Mais tu vois, on a l'impression que ce football des années 2000 avec ses grands présidents, il est révolu, Cédric. Est-ce que tu as cette même opinion? Comment tu vois les choses? Alors, si on parle vraiment de Jean-Michel Aulas, si on reste sur lui par rapport à ce que tu viens de dire, non, pour moi, il n'est pas has-been, il n'est pas vieux, il n'est pas tout ça, mais je pense qu'il est fatigué aussi. Enfin, je veux dire, ça fait combien d'années pour construire le… Parce qu'il faut bien remettre le contexte. Il a construit un empire avec Lyon. Oui. Donc, pour vous, pour les supporters, vous imaginez, on est passé de… Alors, attention, je ne critique pas, de Gerland, où c'était déjà très bien, ça démarrait, c'était cool et tout, mais regardez maintenant, vous avez un stade magnifique qui est au club. Je compte même pas les titres. Enfin, il manquait quoi? Il manquait une Ligue des Champions, c'est tout ce qui lui manque à Jean-Michel Aulas. Mais là, ce qu'on lui reproche, c'est qu'en gros, cet empire qu'il a construit aujourd'hui, il est en train de le mettre à mal parce qu'il a des vieilles méthodes. Il est dans le lyonnais, tu sais. C'est un peu ce qui se passe à la Fédé, etc. Le copain de Le Graët, le ci, le ça. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Non, c'est vrai que les temps ont changé, donc il faut s'adapter à son temps, mais c'est pour moi, après c'est personnel, comme je te dis, c'est difficile d'avoir une vision autre, mais pour moi, une personne comme ça, tu as du mal à, moi j'ai du mal à lui trouver des choses à lui dire, quoi, en fait, parce qu'il a,
Et même s'il fait des erreurs aujourd'hui, t'as même pas envie de le blâmer, quoi. Parce que Ouais. c'est. Et c'est vrai, après là où je suis d'accord, c'est clair qu'on voit que tout a changé. C'est des vraies petites entreprises maintenant. Ben, le mode économique aussi a changé. Donc, non, j'ai vraiment du mal à analyser la chose et à voir l'OL sans Olas pour moi. Voilà. Pour moi, c'est pareil. Pour nous C'est aussi, bon. c'est compliqué dans un sens de le voir sans lui, parce que c'est un peu notre père à tous, entre guillemets, comme on aime bien le dire, on a grandi avec lui. Je pense que la différence par rapport à avant, c'est vraiment dans sa manière de s'entourer. À une époque, il savait très bien s'entourer, à une époque aussi, qu'on le veuille ou non, on peut en parler maintenant. Oui, il avait une vraie influence, entre guillemets, rien que par sa présence au niveau de l'équipe adverse, du président adverse, de l'arbitre, de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, peut-être qu'il a perdu un petit peu de sa superbe et perdu aussi ce côté de choisir les bonnes personnes. Et c'est dommage parce qu'effectivement, j'imagine en plus de ton prisme à toi qui a été joueur, qui a joué contre le Grand Lyon, etc., tout ça, ça doit effectivement être une personne super importante dans Oui, ton équipe. voilà, c'est important. Après, c'est difficile. Comme je dis, je ne suis pas assez dans le club ou dans l'actualité lyonnaise pour pouvoir tout juger. Mais pour moi, il est tellement emblématique que j'ai du mal à pouvoir voir comment il pourrait changer les choses. Cédric, tu as eu un petit peu un lien avec Jean-Michel Aulas, puisque je crois que pour l'après-Lloris, il avait eu une déclaration comme quoi il avait en tête ton nom et celui de Stéphane Ruffier. C'est vrai ça? Tu as eu des contacts avec l'Olympique Lyonnais à l'époque? Oui, il y a eu à un moment donné la possibilité de l'après-Lloris. Après, ce qui s'est passé, moi, il y avait des choix de carrière aussi à faire à ce moment-là. J'étais à Bordeaux où j'étais bien installé. Ouais, on en parlera après de cette Bordeaux, de Voilà, cette il y a eu pas mal de choses qui ont bougé et du coup, ça s'est pas fait parce que, voilà, parce que moi, j'étais déjà installé, j'arrivais à un âge où j'avais envie de me poser, quoi, on va dire. Plus qu'autre chose. Ok. Alors, on passe sur l'OM 2005-2006. Vous finissez cinquième du championnat. Alors, dans cette équipe-là, des grands noms aussi de l'époque, Taiwo, Fred Dehu, Meïté, Jérôme Bonicelle, qui a été recruteur à l'Olympique Lyonnais. Tu le sais, ça? Il était dans la cellule de recrutement. Jérôme Bonicelle, Wilson Auruma, Franck Ribéry, Sabri Lamouchi, Lorik Sana, Samir Nasri, Michael Pagis, Mamadou Niang, toi, Filou, Maolida. Là, t'es L'homme aux vraiment grandes lettres. l'homme aux grandes lettres. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette époque 2005-2006 avec tous ces joueurs-là? Notamment Ah, Franck Ribéry, Nasri, après, Sana. je pense que quand as la chance déjà quand tu as la chance d'être professionnel dans un sport comme le foot, c'est déjà une chance. Quand tu as la chance d'être professionnel et titulaire à cette époque-là à l'Olympique de Marseille, comme ça pourrait être à Lyon, à Paris, etc., c'est déjà une chance incroyable. Et quand en plus tu as la chance d'avoir un groupe comme ça, avec des gars comme ça, que ce soit sur le terrain ou même dans la vie de tous les jours, ben c'était incroyable parce qu'il faut rajouter aussi Cissé qui arrivait juste après. Oui, exactement, 2006-2007. On va en parler Et après. je pense que c'est une des meilleures périodes de ma vie parce que j'étais jeune, que tu as la gloire, tu joues qu'avec des gars, c'était tous des potes et on était capable, par exemple, quand on partait pour faire. Après les matchs, on se retrouvait pour manger un coup, boire un coup, enfin passer une petite soirée tous ensemble. On devait être à chaque fois au moins 15. On était toujours tous ensemble. On a Un passé, vrai groupe. Un un vrai vrai groupe. groupe. On a passé vraiment 2 ans où on était tous ensemble. C'est la vraie bande de copains qui se tuaient l'un pour l'autre et peu importe qui jouait, il n'y avait pas de problème. Et c'était génial. Moi, cette période-là de Marseille, elle était incroyable, quoi. Elle était vraiment incroyable avec des joueurs comme tu dis, comme. Enfin, il y en a Franck tellement. Ribéry, Nasri, notamment Ribéry, tu l'as vu En plus, arriver sur dans le. la vie, comme je te dis, en dehors du groupe, était rythmée par un Franck Ribéry en pleine forme. Tu vois, quand tu finis second du championnat, bon, ben, malheureusement, derrière Lyon, forcément, à cette Ouais, époque-là. c'est 2006-2007 où vous finissez C'est de ça. deuxième de ce championnat. Alors là, on va passer là-dessus. On vous avait éliminé en Coupe de France et vous avez gagné le championnat. Je me souviens.
C'est une grosse Et par époque. exemple, quand tu as un Franck Ribéry qui te fait le tour du vélodrome en tracteur qu'il a piqué au jardinier pour saluer tous les supporters, c'est quand tu vois ça, tu as tout compris, quoi. Tu voyais le groupe comme il vivait, quoi. Est-ce que tu te rappelles, je pense que c'était à cette époque-là, les gars, je ne sais pas si vous en souvenez, de Franck Ribéry au journal de 13h de TF1 qui dit « J'ai décidé de signer à l'Olympique Lyonnais ». Et pas du tout, ça rappelle, c'était une dinguerie. À l'époque, il avait failli signer à l'Olympique Lyonnais. Au final, il se retrouve à l'OM. Je sais plus ce qui s'était passé, c'était une dinguerie. Mais effectivement, là, c'était les débuts de Franck Ribéry. Coupe du monde 2006. Voilà, là, c'était le Ribéry qui était sur la… Ouais, il décollait, quoi. Il est parti à fond, quoi. Mais c'était un mec génial, un joueur exceptionnel et un mec génial. Mais tous de cette époque-là, franchement, ça reste pour moi… Dans mes souvenirs de jeunesse, parce que c'était vraiment mes débuts. C'était trop bien. Et titulaire, toi, du côté de l'OM, hein, c'est bien ça, hein, c'est ce que nous mettait Raph. Là, je jouais, j'avais déjà fait une vingtaine ou trentaine de matchs à l'époque de quand il y avait encore Fabien Barthez, et c'était l'après-Barthez, après la Coupe du Monde. Alors, 2006-2007, l'OM 2006-2007, t'en parlais, vous finissez deuxième du championnat derrière Olympique Lyonnais. L'entraîneur adjoint d'Albert Raymond, il est aussi connu de l'Olympique Lyonnais, c'est Dominique Cuperli qui était adjoint de Jacques Santini à l'époque. Dominique Cuperli qui était mon voisin à l'époque à la Croix-Rousse, du côté de Lyon. Ouais, du petit souvenir de Dominique Cuperli. Alors à cette époque, tu avais dans cette équipe Civelli, Julien Rodriguez, Salomon Olembe et puis le regretté Modeste Mbami, si tu peux en parler un petit peu parce qu'il est décédé récemment. Ça fait un petit choc. Ouais, c'est un peu compliqué de parler de ça. C'est toujours difficile de. Ouais. Ben, c'est des souvenirs, c'est des choses qui te touchent, qui me touchent à chaque fois. J'ai perdu plusieurs copains comme ça sur des accidents. J'aime pas trop parler de ça parce que dans le sport, tu vis vraiment des choses très proches. Et Modeste faisait partie de ces gens incroyable, qui avait le cœur sur la main. Mais d'ailleurs, je m'étais même disputé une fois avec lui sur un match contre l'OL, je me souviens, où j'avais complètement craqué sur un coup franc de Juninho, où je l'avais chahuté dans la surface, alors que c'était un mec en or. Enfin, j'ai du mal même à parler au passé d'un gars comme ça. Bref, j'ai pas envie de parler de ça. Ok, pas de souci. Alors, Juninho mettait même la pagaille entre les joueurs adverses tellement. Est-ce qu'il était impressionnant, Juninho? Est-ce que Juninho, quand il s'apprêtait à tirer son coup franc, est-ce qu'il y avait une aura en plus? Je peux dire la vérité. Après, moi, vous chercherez des images, je pense, d'un Lyon OM. Je crois que c'est cette saison-là, la 2006 ou un truc comme ça. Où je suis un des premiers gardiens à ne pas avoir un mini de mur à Gerland, c'était, je me souviens, on avait fait un partout. Okay. J'avais pris un but, je crois, de Milan Baros. Oh putain, Milan Baros, les amis. Je crois qu'on avait fait un match. Ce jour-là, j'avais un maillot orange, je me souviens. Mais c'était la première fois où, à l'aller, j'avais pris ce coup franc, où je n'avais pas vu du tout le ballon partir. Et au retour, en fait, je prends le pari de me dire, bah, écoute. De toute façon, c'est injouable parce qu'il était injouable. Il faut se dire la vérité, il avait tout où il voulait. Enfin, c'est un enfer. Bon, il partait d'un côté. Enfin, ouais, c'est incroyable. C'est ça. Je me rappelle ce jour-là à Gerland, j'ai dit ben, j'ai rien à perdre et j'ai enlevé les murs. À 30 mètres, d'un coup, j'enlève le mur. Et là, tu as Johnny, il me regarde et tu vois qu'il a un blocage. Il se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, il m'enlève le mur, quoi. Alors, il y avait un peu. Non, mais je lui ai enlevé son repère. Tu m'enlèves le repère, en fait. Bon, attention, il m'en met deux. Je sors incroyablement bien ce jour-là, mais à l'arrivée, c'est incroyable comme il frappe. Mais au moins, je voyais le ballon partir. Mais oui, vous regardez l'image, le résumé de ce match est assez incroyable. Je crois que c'est 2005-2006 ou 2006. Non, 2006-2007, je dirais. Ouais, ok. Donc, si à Barros, c'est ça, ouais. Ouais, l'OM assez sympa, surtout pour moi, où j'avais fait vraiment un match incroyable cette année-là. Alors, on rajoute dans cette équipe Valbuena et Cissé, donc un ancien de l'Olympique Lyonnais aussi, Mathieu Valbuena, qui jouait chez nous, et Djibril Cissé. T'en as un bon souvenir de ces deux joueurs-là, notamment Cissé, je crois. Mathieu, c'est le bon gars, c'est vraiment le gars de club qui va toujours se donner à fond. Après, Djibril, c'est encore différent, c'est une histoire particulière parce qu'on se connaît depuis qu'on a 6 ans. On est de la même. On a quelques jours d'écart. Okay. Lui, il était à Arles et moi à Avignon.
Donc, Arles-Avignon, pour vous mettre le contexte, c'est 20 bornes, quoi, à peu près. Bien un club, hein, Arles-Avignon. Et depuis gamin, on joue contre. On a toujours joué contre depuis qu'on a 6 ans. Donc, lui, il était. Moi, j'étais à Avignon-Marseille. Lui, il a fait Arles-Nîmes-Auxerre. Donc, mais voilà, Djibril, c'est toute ma vie, quoi. En fait, on a joué contre depuis gamin, quoi. Donc, ouais, Djibril, oui, Cissé, ouais. Aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec Djibril, quoi. Ouais, qui est consultant comme toi. Toi, tu étais consultant Eurosport. Tu es toujours consultant Eurosport J'étais consultant Eurosport, mais Eurosport a perdu les droits TV de la Coupe de France. C'est Bein Sport maintenant qui a repris cette saison. Et Djib fait la Coupe de France avec France 3. Ouais, avec France Télévisions. Moi, j'ai une question sur Djibril. Il serait capable de venir marquer ses 4 derniers buts pour passer les 100 ou pas? Lui, il pense qu'il est capable. Ouais, lui. Mais je pense qu'il est plus capable. Aussi, c'est Djibril. Je pense que Djib, franchement, s'il n'a pas ces deux énormes blessures, même s'il a été très bon après encore, mais s'il n'a pas ces deux énormes blessures, il aurait tout explosé. On les a encore en tête, hein, les blessures. Là. Oh, le traumatisme d'enfant, c'est les blessures de Djib. Ah ben ouais. Alors l'OM 2007-2008, Albert Raymond. Ensuite, Eric Guéretz. Eric Guéretz, ça c'est un bon souvenir aussi du championnat. Vous finissez troisième de Ligue 1 à l'époque. Et là, Steve Mandanda arrive dans cet effectif. Jacques Fati, Bonnard, Gaël Givet, Karim Ziani, le frère de Bruno Chéroux, Benoît Chéroux, qui est dans cette équipe, Bougé-Win Zenden, Charles Caboret et puis André Ayou. Il y a des noms qui arrivent. Qu'est-ce que Alors, il y a un truc qui se construit. C'est une belle saison au départ pour moi. Personnellement, ça se passe super bien. Ben, jusqu'à ma blessure, je me blesse 5 jours avant la Ligue des Champions, je crois. Ouais. Je me fais une rupture du tendon d'Achille, donc 6 mois. Et c'est le début de Steve Mandanda, qui fait une saison incroyable. Donc, il prend ma place, il fait une saison incroyable. L'OM fait une belle saison. Guéret, c'est un super entraîneur, vraiment, un mec incroyable. Ça, lui, il aurait pu être un super entraîneur aussi pour vous, vous voyez. Ça, c'était vraiment un super entraîneur. Eric Guéret, et du coup, à cette fin de saison, moi, je ne joue pas, parce que quand je rentre, tout le monde est en place. L'équipe est là en place, et c'est le moment pour moi, à ce moment-là, d'aller voir autre chose que Marseille, parce que voilà, il y a d'autres choses à faire. Il y a Steve qui est en place, moi qui faisais mes matchs jusqu'à présent, mais j'ai eu le malheur de me blesser. Il faut aller voir autre chose et j'ai un choix à faire en cette fin de saison. Ouais, alors juste avant de passer sur Toulouse, nous on a eu une déclaration de Laurent Blanc, on en parlera juste après. Tu sais, il y a le jeune Lukeba qui était titulaire indiscutable depuis le début de saison et même depuis la saison dernière. Et ces derniers temps, la charnière centrale, c'est Lovren Diomandé. Quand on lui dit, mais Lukeba, il a perdu sa place, il a dit exactement, il a perdu sa place. Pourquoi? Parce qu'il était blessé et que certains autres ont été beaucoup mieux, notamment Diomandé, pendant sa blessure. Et donc, je fais jouer la concurrence à fond. Donc, tu vois, c'est la blessure, finalement, malheureusement, elle profite à ceux qui… Oui, mais ça fait partie du foot, du sport en général, tu sais, il y en a certains qui ont bâti des carrières sur les blessures des autres. Il y en a d'autres qui ont perdu des carrières sur leurs propres blessures. Moi, j'ai eu la chance que mes blessures m'ont fait changer d'horizon, mais à chaque fois, j'ai pu revenir plus fort. Donc, je n'ai pas de regrets par rapport à ça, mais c'est vrai que la blessure dans le sport, elle change la donne à chaque fois parce que les équipes, elles n'ont pas le temps. Hein. Les joueurs, on ne va pas les attendre. Hein. Il y a des matchs tous les 3 jours, enfin, toutes les semaines quasiment. Donc, voilà, la blessure fait partie de la carrière du footballeur. J'ai une vraie question, moi, par rapport à ça. C'est vrai que je crois que tu as eu 3 grosses blessures, c'est ça? Et c'est les ça. 3 sont intervenues à des moments quand même très, très importants de ta carrière. Est-ce que tu penses, alors tu as déjà une carrière immense et magnifique, mais est-ce que tu penses que tu aurais pu aller encore plus haut si tu n'avais pas eu ces blessures, ou au contraire, c'est ce qui t'a forgé? Alors, non, pour moi, ça a toujours été bénéfique, comme je te l'ai dit. Le seul truc que ça ait pu me faire manquer, on va dire, c'est que c'est au niveau de l'équipe de France. Je pense qu'à l'époque où on parle de la blessure à Marseille juste avant la Ligue des Champions, quand Steve était mon remplaçant et qui prend la place de titulaire, c'est vrai que juste avant, là, à cette époque-là, j'avais reçu une préconvocation.
Voilà, une pré-convocation de l'équipe de France. Et en gros, j'arrive, c'était moi la nouvelle génération. J'arrivais juste derrière les Coupé, Landreau, tout ça. Et moi, j'arrive à ce moment-là avec Sébastien Frey. Et j'étais juste derrière. Moi, je faisais partie des jeunes à cette époque-là. Et c'est vrai que ma blessure m'a fait perdre un an. Et dans cette année, il y a Hugo et Steve qui sortent. Donc peut-être que j'aurais pu avoir ma chance un peu plus en équipe de France si j'avais pu faire la saison sans me blesser au départ. Et t'es tombé quand même dans, ouais, pendant la période de Hugo Lloris et Steve Mandanda. C'est ça qui est terrible, peut-être aussi pour toi. C'est que... Non, c'est pas terrible parce que, comme je te dis, il faut toujours chercher le positif. Okay. Alors oui, j'ai peut-être à ce moment-là perdu une chance de pourquoi pas m'exprimer un peu plus en équipe de France, peut-être. Mais j'ai eu la chance aussi de... Bon, comme on dit, on est à Marseille, donc je me blesse et je dois faire le choix de partir et je pars pour Toulouse. Et quand je pars pour Toulouse, 6 mois après, ce qu'il faut se dire, c'est que 6 mois après cette interruption d'un an sans jouer, 6 mois après, je me retrouve en équipe de France. C'est vrai. C'est vrai. En 6 mois, j'ai rattrapé un an de blessure. Donc, je me retrouve dans les 3 meilleurs gardiens. Et ensemble, on va faire 45 matchs. Enfin, non, je n'ai pas de regret parce que quand tu es en équipe de France, tu fais partie de l'élite de pays, quoi. Enfin, c'est incroyable. Il faut s'imaginer le truc. Tu as des millions de licenciés en France, tu as des milliers de professionnels dans le monde entier qui sont français et tu te retrouves dans les 22 meilleurs à chaque fois pendant 45 matchs d'affilée. Donc, non, je n'ai pas de regret. Jamais eu de regret dans ma carrière. Mes blessures, elles font partie de ma carrière, mais en tout cas, j'ai toujours, enfin, c'est que des bons souvenirs. J'ai réussi à tirer que du positif de tout. Moi, de toute façon. Tu parlais de Toulouse. Toulouse 2008-2009, vous finissez quatrième. Donc ça, c'est une sacrée saison. Dans cette équipe, Daniel Congré, Mauro Tseto, Jérémy Mathieu, Cheick Mbeng, Fodé Mansaré, je me rappelle de ses chaussures oranges, c'est Nike orange, Étienne Didot, Panchi Siriex, Moussa Sissoko, Étienne Capou, Brian Bergugno, qui aujourd'hui, ancien de l'Olympique Lyonnais, qui commente les matchs sur OL Play, André-Pierre Gignac, pardon, et Xavier Pentecôte. Il y a finalement un groupe, comme tu l'as dit chez Colin, bon, assez anonyme à la base, mais qui vont se retrouver sacrés joueurs. Oui, mais parce que là, vous connaissez les noms. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que cette année, moi, quand j'arrive, les Étienne Capou, ça n'a jamais joué, on ne sait même pas qui c'est. Moussa Sissoko non plus. Y a les trois noms ou quatre noms qui traînent, c'est Cédric Carasso, Mauro Tseto, Étienne Didot qui a eu une bonne carrière à Rennes. Et voilà quoi. Et c'est tout. C'est une équipe qui a terminé 17e, qui était au bord de la relégation et que c'est compliqué. Mais par contre, voilà, comme dit Smaïl dans le chat, une équipe de guerriers, on a fini quatrième. On avait pris une gifle d'entrée à Lyon, premier match. On va à Gerland, on en prend 3, on prend 3-0. Et pour te dire, cette année-là, c'est voilà, en prenant 3-0 à Gerland en premier match, on finit meilleure défense du championnat. On avait encaissé 27 buts dans une saison. 27, c'est très peu. Et avec une équipe novice. Donc, pour moi, c'était une aventure incroyable. Elle a duré qu'un an, mais c'est un groupe qui est né, en fait. On a vraiment vu un groupe arriver et voilà, on n'avait presque pas pris de but. J'ai André Pierre devant qui en met une vingtaine aussi devant. Enfin, c'était incroyable. Et après, on a été solide. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que dans toutes tes, on va dire, dans toutes tes équipes, ce que tu ressens à chaque fois, c'est la qualité du groupe. Et c'est finalement, nous, ce qu'on attend à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, c'est de voir un groupe uni. Tu vois. On a l'impression qu'il y a des clans, que ça ne vit pas bien ensemble. Et ça ne peut pas fonctionner sur le terrain si tu ne vis pas bien ensemble. Et c'est ce qui est difficile à faire. Et tu vois, on ressent ça aussi de l'extérieur pour les Lyonnais. Et pourtant, ils ont, je pense, un des meilleurs gars pour ça. Parce que Laurent Blanc… On en parlera juste après, Laurent. Ah, c'est juste après Laurent Blanc. Oh là là, Moi, par contre, je suis désolé, mais j'ai encore une question par rapport à tout ça, parce que je sais qu'on parlera aussi du mental après. Mais moi, je me suis toujours dit, tout à l'heure, tu faisais référence au fait qu'il y ait plus d'un million de licenciés en France, etc. etc. Et pour moi, un joueur pro, par exemple, à partir du moment où il a réussi à passer les centres de formation, etc.,
jouer sur certains terrains, à grandir, tout ça, c'est que c'est quelqu'un qui a du talent. Voilà, à partir de là, déjà sur ça, je me pose jamais la question, la personne a du talent. Et pour moi, en fait, ce qui fait toujours la différence, et c'est un petit peu le sujet sur lequel on était, c'est toujours ouais, le groupe et le mental aussi. Le mental et la mentalité, je pense que ce sont des choses qui aujourd'hui se perdent. Moi, hier, je regardais le Classico, tu dois être content d'ailleurs. Et je voyais un groupe marseillais qui était uni. J'ai vu des gars blessés qui étaient avec les titulaires sur le terrain, des remplaçants qui souriaient, etc., etc. C'est vrai. Est-ce que c'est pas ça le secret du football au final, au-delà du talent? Bien sûr, parce que je vais essayer de bien résumer ça, essayer de trouver les bons mots. À un moment donné, dans le foot, à cette époque-là. À l'époque où moi je jouais, par exemple, à l'époque du Grand Lyon, toutes les équipes sont très fortes. Enfin, tu en as toujours 3-4 qui sont très fortes. T'as toujours, là, on est chez les meilleurs des meilleurs. Donc, les meilleurs des meilleurs, OK, ils sont tous forts. Mais qu'est-ce qui fait la différence? À un moment donné, dans une équipe, quand tu as 11 personnes, tu as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, s'il n'y a pas d'esprit de groupe, ça ne fonctionne pas. On voit en ce moment les problèmes qu'ont le PSG, c'est exactement ça. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, mais si tu n'as pas ce truc de groupe, ça ne marche pas. Et moi, je l'ai expérimenté durant ma carrière. J'ai fait des résultats incroyables avec des équipes qui étaient beaucoup moins fortes que certaines équipes que j'ai pu jouer avec des moins bons résultats. Mais après, l'esprit de groupe, ça fait tout. C'est la différence, c'est là où il va y avoir un petit déclic. Ouais. À chaque fois que tu as été champion du monde avec l'équipe de France, c'est qu'il y avait un groupe créé et il y a eu une équipe. Et ce n'était pas les meilleurs, c'est pas ceux qui jouent le mieux. C'est la force de Didier Deschamps. Oui, mais le groupe en général, c'est ce qui fait tout. Je veux dire, demain, à Lyon, avec un entraîneur comme Laurent Blanc, je ne veux pas en parler trop longtemps, et il va faire un coup, tout qui explose. Bien sûr, c'est reparti. Alors là, tu parlais de groupe, c'est là où ton transfert du côté de Bordeaux, c'est là où tu vas avoir un vrai groupe aussi. C'est ce Bordeaux 2009-2010 où vous finissez 6e de Ligue 1 et vous perdez contre l'Olympique Lyonnais en quart de finale de Ligue des Champions. Ça, c'est un bon souvenir pour nous. Moins pour vous, mais à l'époque, tu avais un groupe et une équipe qui est pour toi, tu l'as dit chez Colin, c'était l'équipe qui aurait pu rouler sur l'Europe entière. Mikael Siani, Alou Diarra qui est passé par chez nous, et tu pourras aussi nous parler de ce petit personnage ici, c'est Johan Gourcuff, qui était à son apogée à Bordeaux. Kavenaghi, Jussier, David Bellion, Ulrich Ramé, Wendel, Plazil, Chalmé, Grégory Sertic, Sané, Planus, Tremoulinas, Chamac et entraîneur Lolo White, Laurent Blanc, cette équipe de Bordeaux. C'est un petit peu comme cet OM dont tu nous as parlé. Et peut-être ce Toulouse, c'était des équipes, un groupe, un truc où tu sentais que c'était… Il y a un truc en plus, mais tu vois, quand tu viens d'énoncer les noms, ça fait moins rêver que certaines équipes que tu as annoncées avant, sur les noms. C'est clair. Et pourtant, à cette époque-là, je vais te donner des chiffres que je ne sais même pas si le Grand Lyon, à cette époque, ils ont réussi à le faire. En six mois de cette saison-là, On a fini la mi-saison. Alors ça, peut-être que le Grand Lyon a dû le faire. On avait 11 points ou 12 points sur le second. En Ligue des Champions, on fait 16 points sur 18 en phase de groupe. Ah, ça, c'est énorme. Avec le Bayern et la Juve dans ton groupe. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Il faut se remettre le truc des noms que tu viens de raconter et des chiffres que je te donne. Enfin, c'est incroyable. Donc, comment c'est possible? Ben, tout simplement, c'est pareil. Là, c'était un groupe, mais c'était un rouleau compresseur. C'était une équipe, on était tous potes, quoi. On était pareil, on était tous copains, on rentrait sur le terrain, on savait qu'on allait gagner, avant même que le match y commence, et même si on prenait un but. Comme l'OL, le grand OL des années 2000, comme le grand OL, on savait qu'on gagnait. Voilà, mais tu n'as aucun doute. En fait, tu n'as aucun doute sur ta force, mais à côté de ça, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de… C'est pas mal intentionné hein, quand on dit on savait qu'on allait gagner. C'est juste qu'on était tellement unis. On savait que du moment qu'on mettait en route les choses et qu'on se donnait tous à fond ensemble, ben on était intenable, quoi. Alors, de temps en temps, on se faisait accrocher ou on pouvait perdre des points parce que y a les aléas du foot. Une équipe qui défend bien, un gardien qui sort tout, deux, trois poteaux. Enfin,
Ça arrive dans le foot, c'est le côté aléatoire aussi de ce sport. Mais en général, sur 95% du temps, tu gagnais, quoi. Il n'y avait pas de secret. Et c'était, voilà, c'était une période, ouais, aussi pareil. Sauf que, et oui, ça, on vous a affronté en quart de finale de Ligue des Champions, double confrontation entre clubs français. Le match aller, tu t'en souviens. Alors, je vais donner les noms quand même du côté de l'Olympique Lyonnais sur le match aller. Donc le match aller, on le gagne 3-1. But de Lisandro Lopez à la base, Michel Bastos et puis Lisandro Lopez aussi sur penalty. Donc dans l'équipe de l'OL, Hugo Lloris que tu connais bien, Cédric, Ali Sissoko, Anthony Révélière, Chris en tant que capitaine, Mathieu Bodmer, Jean de Macoun, les amis, Miralem Pjanic, Jérémy Toulalan, que tu as connu aussi, et Chelito Delgado et Lisandro Lopez, les deux Argentins. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce match comme si c'était hier. En tout cas, moi, j'ai revu un peu les images. Tu fais un arrêt de fou furax face à Chelito Delgado. Tu fais un arrêt, il est face à toi. Moi, je l'ai trouvé magnifique, cet arrêt-là. C'est un match de fou. Les deux gardiens ont fait un match. C'est un match de fou. Ouais, deux matchs de fou, mais en même temps bizarre, tu sais. Alors, tu vois, en Angleterre, ils ont l'habitude, en Espagne aussi. Mais c'est vrai de jouer un quart de finale franco-français, on était à Gerland contre Lyon, qui était l'adversaire du championnat, quoi, tu vois. Et de se retrouver avec la musique de la Ligue des Champions et tout. Enfin, franchement, c'était très spécial comme contexte. J'étais à la double confrontation. C'était un contexte super bizarre. En fait, on ne s'attendait pas à avoir ce genre de confrontation-là, à des joueurs qu'on croise tout le temps. Enfin, c'était bizarre, mais en dehors de ça, par contre, c'est vrai que les deux matchs, sur les deux matchs, c'était incroyable. L'intensité qu'il y a eu. J'ai rarement joué de match franco-français aussi. Des matchs de fou. Ouais. J'ai l'impression que le climax des matchs franco-français, dans tous les cas, il a été vraiment entre 2009 et 2012. C'est Lyon-Bordeaux, les Lyon-Paris, Lyon-Marseille, enfin que des matchs à chaque fois qui étaient épiques. Moi, je me souviens avoir énormément serré les fesses face à vous, parce que je me souviens que sur le match retour notamment, 1-0. Il vous manquait rien pour passer. Le match retour, si Lloris ne sort pas le match qui sort, vous en prenez au moins 3. Ouais. Il sort deux arrêts incroyables à la fin. On doit le gagner 2-3-0 ce match-là. Mais c'est là qu'on voit l'importance qui est trop souvent d'ailleurs oubliée justement au Ballon d'Or, etc., etc. Mais l'importance d'un gardien dans un match comme ça. Je pense aussi à Courtois la saison dernière, par exemple, pour le Real Madrid, qui pour moi est tout aussi important que Benzema, tout aussi important que Benzema dans l'acquisition de cette coupe. C'est vrai qu'Yoris nous sauve à ce moment-là. Ce qu'il faut se dire et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une équipe, si tu as une très grande équipe et que tu as un bon gardien, tu auras toujours des résultats. Mais par contre, si tu veux aller toucher les étoiles, il te faut un très grand gardien. Et toutes les équipes qui vont tout en haut, c'est que le gardien, il est bon. C'est impossible autrement. On ne peut pas avoir une équipe qui touche tout alors qu'il n'y a pas de gardien. Ce n'est pas possible. Le gardien, c'est trop, trop important. C'est énorme au niveau du plan comptable sur une saison. Il y en a un autre qui a touché les étoiles, c'est Johan Gourcuff. Gourcuff, la saison d'après, il signe chez nous pour 25 millions d'euros. Toi, tu as connu le Johan Gourcuff au top niveau, vraiment. Même sur cette double confrontation face à nous, il a été incroyable, incroyable. Et puis après, il signe à l'Olympique Lyonnais et là, patatras. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du Johan Gourcuff que tu as connu du côté de Bordeaux, et qu'est-ce qui s'est passé avec ce joueur-là il y a eu beaucoup de choses de dites sur lui. Beaucoup trop. Johan, c'est un super gars déjà, c'est un gars qui aime le foot à la base déjà, qui aime jouer au foot déjà tout simplement, qui est passionné mais qui en même temps est très introverti, et surtout il a besoin du soutien de tout le monde. Comme je te dis, le fait qu'on ait eu ce groupe-là au Girondins, à Bordeaux, c'est
lui, il est rentré dans un moule où tout le monde jouait pour lui, que tout le monde. Mais en même temps, il ne se faisait pas critiquer à l'intérieur du groupe, on ne le regardait pas bizarrement, on le laissait faire son truc, mais par contre, il s'est intégré. Voilà, il s'est intégré dans un groupe extraordinaire avec des gars incroyables. Et il est arrivé un peu anonymement. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Il est arrivé. Ouais, on avait vu qu'il avait fait quelques bouts de match au Milan AC, mais ce n'était pas une star à ce moment-là. Donc, il s'est découvert à ce moment-là. Je pense que ce qui a été dur pour lui, c'est d'arriver, comme tu dis, souvent dans cette équipe lyonnaise, lyono-lyonnaise, où tu as des gens installés depuis longtemps, où il arrive avec une étiquette 25 En millions. grande pompe publique, hein. On le présente quand même. Il était là, c'était en août. Il est face à une tribune remplie. Le mec, il applaudit. Il ne sait même pas ce qu'il fait là. C'est surtout que c'était l'époque où Adidas était intronisé nouveau Aussi. sponsor de Voilà. l'année après Umbro. Il me Exactement. semble que dans le transfert, du coup, il y a eu Voilà. aussi un Et souvent, les partenaires équipementiers rentrent en compte dans des grosses transactions comme ça. Et je pense que ça l'a tué à, je pense que ça l'a tué à Lyon parce que mine de rien, les matchs où il a été à 100% de sa forme avec tout, il a été exceptionnel. Je me souviens de lui dans des derbies, même contre Marseille, à faire une belle feinte de frappe qui met tout le monde dans le vent et une Ah belle oui, frappe oh gauche là ensuite. là, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était un joueur, moi je me souviens, hein, quand il est arrivé, direct, j'ai acheté le maillot, j'étais fan du mec que c'était. Et c'est vrai que peut-être qu'à Bordeaux, il y avait cette pression en moins par rapport à Lyon, ou comme tu dis, Un c'est l'histoire. complexe. Après, c'est quelqu'un où il faut que, voilà, faut que ce soit calme, il faut pas qu'il y ait trop d'agitation. C'est quelqu'un qui doit se sentir bien. Et si il se sent pas bien à 100%, ben, il va même pas donner 90% de sa capacité, c'est 20%, quoi. Ouais. Donc, Je vois c'est même pas jouer. vraiment le réglage de la voiture de course, quoi, tu vois. Ouais. Alors, ça fait écho un petit peu ce que tu dis sur Johan Gourcuff, à ce que tu nous as dit avec des super mecs que tu as connus à Marseille, notamment Franck Ribéry. Alors, toi, tu n'étais pas à la Coupe du Monde 2010, mais il y a eu des petites embrouilles entre Ribéry et Gourcuff. Tu vois, tu disais, il faut être derrière Johan. À la Coupe du Monde 2010, le fiasco, il n'y a pas eu. Les joueurs, semble-t-il, derrière Johan Gourcuff. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a... Tu vois, Non, c'est... Toi, tu as connu un peu les non. deux, toi. J'y étais à la Coupe du Monde. Ah oui, J'ai fini. tu t'es blessé. Tu t'es blessé Voilà. ensuite. J'étais resté là-bas quand même. Ok. Donc, Ah oui, ok. je peux vous garantir une chose, c'est que Ok. oui, il y a des affinités quand tu arrives en sélection, c'est différent parce qu'on vit pas toute l'année en club. Oui, il y a des affinités. Ok. Mais Ribéry, il n'a jamais voulu détruire Gourcuff ou quoi que ce soit. Comme Johan, je pense qu'il était très considéré en équipe de France. Après, oui, forcément, il y a des groupes. Alors oui, il ne mangeait pas à la table avec tous les autres attaquants parce qu'ils n'avaient pas les mêmes sujets de discussion, parce qu'il n'y avait pas les affinités. Mais c'est difficile en sélection d'avoir que des affinités. Tu as toujours plusieurs générations différentes, des mecs qui jouent dans des pays différents, ils ont chaque... Là, on parle que du top à chaque fois. Donc, c'est difficile de trouver des affinités, surtout que pour quelqu'un comme Yo, qui, voilà, avec qui il faut vraiment, qui se sente à l'aise, enfin, Et qui a un équilibre. les autres joueurs ne l'ont pas mis à l'aise parce que rappelle-toi, il y a eu ces, on a Oui, montré mais quand même que les gens ne jouaient pas t'as pas avec lui. le temps. Mais en équipe de France, t'as pas le temps. Ça va trop vite. Puis, Tu veux faire quoi? Tu veux partir 6 mois ensemble? Non, on est en club. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est ce côté club, tu l'as pas en équipe de France. En équipe de France, tu arrives, tu te prépares et c'est parti, quoi. Donc, si je t'entends bien, Johan Gourcuff, en fait, c'était une sorte de marginal dans ce milieu du football. C'est-à-dire qu'il n'était pas prêt. Non, pas marginal parce qu'il se fondait aussi avec nous. Mais c'est OK. quelqu'un qui était très introverti, qui avait besoin d'être à l'aise à 100%. Et le problème, c'est que le 100% dans le foot, dans le groupe du football, dans le monde du foot, dans ce monde qui est difficile où il se passe toujours quelque chose, et encore plus quand tu es en haut, ben c'était un peu trop médiatisé pour lui. C'est tout. Puis je pense qu'il y avait, enfin après tu me diras si je me trompe parce que c'est quelque chose que j'ai toujours pensé par rapport à l'équipe de France de cette époque justement en la comparant à celle de maintenant. Mais à l'époque il y avait vraiment de vraies personnalités et pas dans le sens péjoratif, mais de grosses personnalités avec des grosses carrières, etc. en équipe de France.
Alors qu'aujourd'hui, enfin depuis Deschamps notamment, ce sont des mecs avec peut-être moins de personnalité. Est-ce que je me trompe dans ce que je dis ou on est plutôt vrai? Non, parce que la différence avant, c'est que tu prenais les meilleurs joueurs avec les plus grands palmarès, etc. Aujourd'hui, l'intelligence de Deschamps, ça a été de se dire que même peut-être des joueurs meilleurs, ben, ils ne feraient peut-être pas partie de mon groupe, donc du coup, je vais perdre en valeur collective. Il vaut mieux que je cut un peu dans l'individuel, mais il faut que j'ai une valeur collective plus forte. Donc, il prenait plusieurs paramètres et c'est oui, la différence aujourd'hui, là, de la sélection, elle est là. C'est qu'elle est très équilibrée. En tout cas, Ouais. 2018, ça restera un fiasco terrible, hein, de l'équipe de France, etc. L'image en était entachée. Il y a Oh. toujours, on parle même dans le chat de l'anecdote du bus. Tu sais, ça restera, je pense, à vie. C'est éternel, cette histoire d'anecdote du bus. Oh, ça fait Ouais. 13 ans, hein. On Ça fait pose 13 encore des questions 13 ans ans encore, on en après. parle encore. Cette histoire-là, alors attention. L'exclusion d'Anelka aussi, etc. Les insultes envers le Non, coach. mais il faudrait. Enfin, à un moment, il faut arrêter. Déjà, même nous, on n'a plus envie d'en parler, mais ça a pris des proportions Non. monumentales. Ça a servi. Il y a plein de personnes qui sont mises au milieu de beaucoup de choses. Et à Politisé, un moment donné, on se servait aussi d'un prétexte de plein de choses qui se sont passées. Bon, bref. Je OK. ne vais pas revenir dessus, mais si un jour il y a certains des gars qui aimeraient raconter du début à la fin, qu'est-ce que c'est de vivre ensemble, la Coupe du Monde, on était un groupe, tu passes un stage à Tignes, tu as beaucoup de choses, qui, des liens qui se créent. Quand il y a une Coupe du Monde, je veux dire, on reste 2 mois ensemble, on cravache ensemble, et quand tu as un pote qui se fait dégager du jour au lendemain, ben, ça fait chier, quoi. Ah Donc, il y a plein de choses qui n'auraient pas dû être faites. Mais en même temps, je pense qu'au tout début, les joueurs, il n'y avait aucune intention de nuire à l'image de l'équipe de France. Non. C'était en gros, pourquoi vous dégagez notre pote alors qu'on n'est même pas au courant? Au départ, c'est que ça. Il n'y a rien d'autre. Alors oui, OK, il y a eu des mots qui ont été extrapolés sur les journaux. Parce que si je devais... On devait faire à chaque fois une première page avec des insultes de joueurs. Quand ils rentrent dans un vestiaire, je pense que tous les week-ends, je vous sors une première page. Donc, il y a eu une sorte de manipulation, c'est ce que tu es en train Non, de nous dire. Il y a une sorte de la presse et il y a eu des choses qui ont été. je ne sais Non. pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je reste terre à terre, football, copain, groupe. Je reste là. Il y a un Parce que joueur. des joueurs qui rentrent en sortant des mots d'oiseau dans un vestiaire à la mi-temps parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils viennent de se friter avec leur entraîneur, et que ça part avec des mots incroyables dans toutes les langues, et qu'on les comprend tous, et que ça arrive tout le temps. Mais 5 minutes après, c'est fini. Ça fait partie de la frustration du sportif. Je veux dire, quand tu joues une Coupe du Monde, que tu ne te mets pas un pied devant l'autre, et qu'à un moment donné, peu importe Pierre-Paul Jacques, il te dit machin t'as pas fait, que tu lui sors ah, ok. Mais ça arrive tout le temps. Tout le temps. Après, ça a pris des proportions incroyables, mais ça arrive tout le temps. Donc, comme je dis, je suis incapable aujourd'hui de dire, parce que oui, j'étais blessé. Oui, dans le vestiaire du Mexique, j'y étais pas. Dans le bus, j'y étais pas. Mais j'étais proche de tout ça et je suis quelqu'un qui analyse bien. Etienne, tu vois, quand tu as Asdan et que j'ai 2 valets, j'analyse bien. Bref. Encore, merci. Merci, Je merci. déconne. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous, en fait. Donc, c'était ce côté-là qui était difficile. Mais après, comme je dis, attention. Il n'y a aucune excuse, il n'y a rien d'excusable et encore loin de là, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est un gros regret. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de frustration du groupe, de l'ampleur, parce que à l'arrivée, quand on y repense, quand on voit les premiers jours de notre stage à Tignes, quand on arrive à Tignes pour se préparer pour cette Coupe du Monde, ben, il y a vraiment un groupe qui s'est créé, on a fait des choses incroyables.
On s'est massacré dans la préparation. On a vécu des moments durs tous ensemble. On était prêts à en découdre au départ. Après, tout s'est effondré plus ou moins à cause, on va dire, de... Je pense qu'il y a eu une transition entre Tignes et l'Afrique du Sud où on a fait beaucoup trop de voyages. On s'est retrouvé dans des endroits... Enfin, on est passé de Tignes à moins 15 en Tunisie, à l'île de la Réunion, il faisait 35, le soleil, le truc. Enfin, on n'était plus dans la préparation, quoi. Bon, on ne demandera pas qui était la taupe, hein. Je vois dans le chat, il y en a qui... La fameuse histoire de la taupe, Patera, etc. Je ne l'ai toujours pas trouvé, moi non plus. Je cherche. Il y en a qui disent que c'est Raymond Domenech. Non, mais c'est sûr. Comme tu dis, je ne suis pas là pour débattre de ça. Moi, je non, mais c'est pour blaguer, mais c'est vrai que c'est des trucs qui ressortent de l'époque, tu sais. C'est des... Moi, j'ai un joueur que j'ai adoré, qui était aussi à la Coupe du Monde d'ailleurs, et que tu as joué contre lui et tu as joué aussi avec lui, c'est Jérémy Toulalan. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu. Parce que c'est pareil, lui, il est assez discret finalement, comme on va dire dans les médias. On est plus discret, mais c'était l'avocat, je crois, qui avait fait le petit papier, non? Je crois pour. C'est ça, hein, c'est... Je veux pas dire de bêtises. Donc, okay. Je pense que c'est un gars qui a un rapport avec Lyon en plus, qui a fait le papier. Ouais. Le fameux papier que Domenech lit, je crois. Pas de Guerra, non, c'était pas son... C'est dit dans le documentaire, de toute façon. On va dire de bêtises. Mais par contre, oui, Jérémy Toulalan, en plus, je l'ai eu à Bordeaux après, j'ai eu une équipe de France, je jouais énormément contre lui quand il était à Lyon. Il a joué à Lyon, à Nantes aussi, je crois. Exactement. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est un profil pareil, très discret, comme tu dis, Étienne. Mais quand même, qui a une bonne personnalité, tu vois, il a quand même de la personnalité. Et c'est un gars pareil aussi, tu vois, nous, c'était notre Michel Sardou à nous, tu vois, c'est le bon français qui aime le foot, qui aime son pays, qui a envie de, qui veut pas faire de vagues, mais en même temps qui veut tout donner. Et c'est vrai que, par exemple, pour lui, ça a été un traumatisme l'après-Coupe du Monde. Lui, bah, ça d'ailleurs, a été... Et aujourd'hui encore. On n'en entend plus parler, mais c'est quelque chose qui l'a traumatisé parce que lui faisait du foot pour ça, pour vivre des moments collectifs, pour défendre son groupe, pour faire une aventure humaine ensemble, et, etc. Et c'est vrai que lui, voilà, l'Afrique du Sud, ça l'a détruit. Alors, on va venir au sujet qui nous intéresse. Comment? Non, j'ai dit un super mec à Étienne, s'il veut savoir tout l'allant. Ouais, moi, je l'adorais tout l'allant. C'est... Ça se voit, ça se lit sur son visage, hein, la bonhomie. Elle était sur son visage à tout l'allant. Alors, un sujet qui nous intéresse, parce qu'aujourd'hui, il est coach de l'Olympique Lyonnais, et toi, tu l'as eu en coach à Bordeaux et en sélectionneur avec l'équipe de France, c'est Laurent Blanc. Quel souvenir tu as de Laurent Blanc? Et tout à l'heure, tu évoquais quelque chose dans la construction d'un groupe, dans ce qu'il est capable d'apporter. J'aimerais t'entendre, qu'on t'entende là-dessus, sur Laurent Blanc, ton souvenir, ton rapport avec lui, comment il manage son groupe, etc. Voilà. Bah, c'est sans doute, je pense, un des meilleurs managers d'Europe, de toute façon. Ah ouais? Ok. Ouais, wow, okay. À l'aise. Hein. Je vais te donner des exemples, même entraîneur. Alors, manager, pourquoi je te dis manager et pas entraîneur au départ? Parce que manager, c'est quelqu'un qui a un très bon équilibre, qui est capable, entre lui et son adjoint, d'avoir les bonnes communications avec le groupe. En général, c'est souvent l'adjoint qui est proche des joueurs. Mmh. Et lui, ça lui permet d'amener une crédibilité, si tu préfères, quand il vient parler. Mmh. Le fait que souvent ce soit l'adjoint qui soit en contact avec les joueurs, si tu as un entraîneur qui vient te parler toutes les 5 minutes, au bout d'un moment, les joueurs, ils n'écoutent plus. Alors que Laurent Blanc, il ne parlait pas souvent, mais quand il parlait, forcément, il attirait l'attention. En plus, il a de la prestance, tu vois, il est posé. C'est un gars qu'on a envie d'écouter grâce à la carrière qu'il a eue et même la carrière d'entraîneur. Mais après, pourquoi je te dis que c'est un des meilleurs d'Europe? Parce que même au niveau du jeu, sors-moi un coach qui a fait mieux jouer le PSG que lui depuis l'ère Qatari. Dis-moi. Il n'y a que lui et Ancelotti. C'est les deux seuls. Ouais, non, il a eu des reproches. Donc, il a déjà cette mauvaise image, alors à tort ou à raison, de cette double confrontation face à Manchester City. Les équipes de Laurent Blanc, notamment au PSG, c'était beaucoup de jeux de possession. Et vas-y, je te le mets là. Tu sais, le tiki-taka. Tu vois, et il disait que c'était un peu trop redondant, tu vois, qu'il n'y avait pas assez de verticalité. Ouais, mais bon.
à l'arrivée. Après, il y a eu l'histoire avec. Moi, après, je sais qu'à Bordeaux, on faisait jouer et c'était génial. Nous, quand t'es joueur, t'adores jouer au foot. T'adores avoir le ballon. T'as pas envie de courir après. Mais au niveau du jeu, oui. Alors, comme je te dis, et c'est là où la même question revient à chaque fois, comme on a pu discuter du président Aulas, c'est le temps passe. Alors, il a eu à un moment donné, lui aussi, un trou dans sa carrière d'entraîneur. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis les années qu'il n'a pas coaché, on va dire, au plus haut niveau européen, est-ce qu'il a adapté quelque chose ou pas ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas croisé, on n'en a pas discuté depuis qu'il est arrivé à l'OL. Mais pour moi, au niveau du profil, oui, il fait partie des meilleurs parce qu'il est capable, au niveau de son management, de créer un groupe et surtout d'amener une idée de jeu. Ça, c'est clair. Après, comme je le dis en toute honnêteté, je suis quelqu'un de franc, je ne connais pas l'intérieur du groupe lyonnais aujourd'hui, je ne sais pas les groupes qu'il y a, je ne sais pas si les anciens qui reviennent dans un club, comment ça se passe, j'en sais rien. Mais par contre, si tout le monde est capable aujourd'hui au niveau des joueurs lyonnais de se dire « Ok, ce mec, quand il est arrivé de nulle part, enfin, pas de nulle part, mais quand il a commencé au Girondins de Bordeaux, il a fait un truc incroyable. » Quand il est allé au PSG, malgré la double confrontation de City, tous les matchs, les gens ils se régalaient à regarder jouer le PSG de Laurent Blanc. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il faudrait voir de l'intérieur du groupe. Et si moi, je suis joueur à Lyon, je me dis, bah, écoutez, on arrête, on pose l'ego, on pose tout. Moi, ça fait 20 ans que je suis là, que je connais Lyon. Moi, ça fait 5 ans, moi, je suis… Promis pour être le meilleur joueur d'Europe. Tu poses ton ego et tu l'écoutes. Et tu attends de voir. Pour moi, c'est ça, la clé de Lyon, elle est là par rapport à Laurent Blanc. C'est, si les joueurs ils se laissent aller vers lui, ils vont tout gagner, ils vont se régaler. Mais si à un moment donné, ils arrivent avec des a priori ou dire « moi, on ne va pas m'apprendre parce que ça fait 15 ans que je fais ça », ça ne marche pas. On a souvent dit de Laurent Blanc et c'est cette étiquette-là qui lui a été collée, que c'était quelqu'un qui était en dilettante, tu sais. Il a eu cette étiquette-là et que Jean-Louis Gasset faisait tout à sa place. C'est pas vrai. On s'en doutait que c'était pas vrai. De toute façon. Oui, on s'en doutait. Hein. Mais il a eu cette étiquette à Lyon, tu sais. Il a failli prendre la place. C'était de qui quand il était en concurrence avec de Genesio, c'est ça ? Silvinho, oui. Voilà, il y a eu le choix entre Rudy Garcia et lui, paraît-il qu'il serait venu à l'entretien, les mains dans les poches, etc. Et qu'il a cette étiquette qui traîne. Tu vois ce que je veux dire ? On lui a remis dans la gueule petit peu. Thomas, après Lyon a l'habitude de se défausser à chaque fois qu'on fait un choix. On a l'habitude de dire que c'est les autres qui, justement, n'étaient pas bons. Au final, deux ans plus tard, c'est nous qui courons vers Laurent Blanc. Donc, je pense que c'était n'importe quoi, cette histoire de… Après, je pense qu'ils ont fait d'erreur à ce moment-là. Mais quand tu reçois des gars dans ton bureau, tu reçois des entraîneurs. Alors, je suis en train de passer mes diplômes, donc je serai peut-être un jour dans ce cas-là. Quand tu reçois des entraîneurs, tu crois que l'entraîneur, il va te dire quoi en général ? Ouais, bon, je suis là, je ne sais pas trop ce qui vaut votre club. Ouais, ça peut m'intéresser. Non. Les Rudy Garcia, tout ça, ils ont dû arriver. Ouais, c'est le meilleur club du monde. Ah oui, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de ci. J'ai les meilleurs joueurs, je vais vous faire ça, je vais vous faire ci. Oui, alors le président, il entend tout ce qu'il veut. Mais Laurent Blanc, ce n'est pas cette personnalité. Lui, il va arriver, je l'imagine très bien, il va s'asseoir, il va prendre son cure-dent, il va dire, écoutez, oui, alors qu'est-ce que vous me proposez? Comment on peut faire? Moi, je verrai bien. Mais d'un ton très calme, ça ne veut pas dire dilettante. Merci. Parce que c'est quelqu'un de calme, qui est posé, qui a vécu 50 000 situations entre sa carrière de joueur et d'entraîneur. Il paraît très détaché des choses. Tu sais, en conférence de presse, très… Ouais, effectivement, ça glisse, quoi. Oui, mais parce que qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Et lui, ce qu'il veut, c'est pas amener de la pression autour de lui, autour de ses joueurs. Quand au contraire, je trouve que c'est génial. Il arrive à déstresser. Alors, mais ça passe pas par… je pense que les gens, ils le prennent dans le mauvais sens, en fait. Ouais. Le fait qu'il fasse ça, c'est plus… Parce que c'est quelqu'un, déjà, qui c'est pas lui qui va s'énerver, crier, insulter partout. Il n'est pas comme ça.
il fera jamais parce qu'il a, il a une autre philosophie du foot. Mais par contre, quand il fait ça, c'est pas qu'il s'en fiche, c'est juste qu'il essaie toujours de protéger son groupe. Et nous, je l'ai vécu moi de l'intérieur, il a toujours fait ça. Mais croyez-moi qu'au fond de lui, il est... après derrière, s'il a besoin de vous attraper par l'oreille, il vous attrape. Hein. C'est au-delà de même tout ça, je dirais que c'est tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a tout compris justement de comment fonctionnent les sentiments humains, entre guillemets, qui fait en sorte que les choses glissent. C'est pour ça que moi, je l'ai toujours pris du bon côté, dans le sens où moi, je le vois pas du tout comme un flegmatique. Au contraire, je le vois comme quelqu'un qui justement a une fausse, un faux calme, entre guillemets, qui saura mettre le go au bon moment. Et moi, la question que j'avais par rapport à Laurent Blanc, c'est est-ce que c'est ce type de manager qui justement comprend complètement n'importe quel joueur qu'il a en face? J'ai l'impression qu'il a cette habileté sociale, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot. Oui. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Et surtout, c'est quelqu'un qui va vous dire les choses. Moi, quand on me demande toujours les meilleurs entraîneurs que tu as eus, il y a... Laurent Blanc est comme ça, mais je dis souvent Éric Guéret. On dit, mais attends, pourquoi Éric Guéret? Mais tu n'as jamais joué avec lui, tu n'as pas fait un match. Oui, mais par contre, quand je suis rentré dans le groupe, il est capable, nous, il était capable aux mises au vert, quand on était en veille de match, de prendre tous les joueurs qui jouaient moins, de les amener dans sa chambre à lui et de discuter pendant 3 heures. Pourquoi tu penses que tu joues? C'est un mec qui gère un groupe à la perfection. Et Laurent Blanc, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui est capable d'écouter tout le monde, de donner sa chance à tout le monde. Okay. Par contre, si à un moment donné, il va trouver que ça coince dans le truc, il va te le dire. Lui, aujourd'hui, il est arrivé quand, Laurent Blanc, à Lyon? Il est arrivé il y a 4 mois. Hein. C'était octobre, hein. C'est un peu plus de, un peu plus de 4 mois. Moi, je connais un peu le personnage. Le truc qu'il y a, c'est que lui, au fond de lui, qu'est-ce qu'il veut? Il a fait un état des lieux au départ. Il y a eu la coupure Coupe du Monde, tout ça. Mais lui, ce qui sera important pour lui, ça va être cet été. Ouais, là, c'est... Parce que lui, il a déjà démarré sa construction pour l'année prochaine, hein, ne croyez pas. Hein, et c'est quelqu'un qui ne dort pas. Hein. Donc, par contre, si tout le monde à ce moment-là l'écoute, qu'il faut sortir ce qu'il faut sortir, on va rentrer ce qu'il faut rentrer, et voilà, s'ils arrivent à l'écouter du début à la fin, vous verrez que on en reparlera l'année prochaine. Ça sera autre chose. Mais là, il est obligé de composer aussi avec ce qu'il y a aujourd'hui. Il arrive en tant que pompier de service, chose qu'il n'a jamais fait par le passé, Laurent Blanc. Hein. C'est non, pas mais, un... s'il a fait, mais s'il a fait, c'est qu'il pense qu'il a les capacités à Lyon, au niveau des moyens de la direction pour lui donner l'équipe, et au niveau de ce qu'il a aujourd'hui malgré tout, de l'effectif qu'il a hérité, pour faire quelque chose. Ou sinon, il ne l'aurait pas fait. Mmh. Ok. On va passer sur l'Euro 2012, parce que tu l'as en tant que sélectionneur à l'Euro 2012. L'Euro 2012 se passe pas extrêmement bien, puisque l'équipe de France est éliminée en quart de finale contre l'Espagne, hein, 2-0. Ouais, tu vas nous parler de ton ressenti. Tu es le troisième gardien de cette équipe de France. Il y a Hugo Lloris, Steve Mandanda, on en a parlé par le passé. Ouais. Par contre, toi, tu as un rôle qui est assez intéressant, et c'est peut-être aujourd'hui ce rôle que tu vas essayer de transmettre dans ton futur job d'entraîneur. C'est ce rôle de fédérateur. C'est quelqu'un, tu es quelqu'un qui va beaucoup vers les autres, qui s'entend bien avec tout le monde et qui est chargé à l'Euro 2012, de nous dire si c'est vrai, de négocier un petit peu les primes, les pubs, etc. Tu vas les négocier avec Noël Le Graët. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rôle que tu as eu à l'Euro 2012 C'est particulier. Là, il faut toujours un peu des... Moi, ce qui était important, c'est enfin, dans un groupe, comme ce soit en équipe de France ou en club, tu as toujours ou 2-3 joueurs ou un joueur ou plusieurs joueurs qui font un peu le lien entre le groupe et la direction pour plein de choses, en fait. Pour plein de choses. Ça peut être, comme tu dis, des primes de match, comme ça peut être des choses à organiser au niveau associatif ou des pubs, enfin plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans un club. Et moi, je suis arrivé dans une période où ouais, bon, c'était assez rigolo parce que je me retrouve avec le président de la fédération que j'ai connu en tant que président du club, avec qui je m'entendais super bien. Je me retrouve avec un sélectionneur que j'ai eu en tant qu'entraîneur avec qui ça se passait super bien. Et du coup,
Ça a reformé même le staff et tout. C'était une petite famille que je connaissais entre de partout où je suis allé. Mais il n'y avait que des personnes que je connaissais à cette époque-là. C'était assez marrant. Et le groupe était assez jeune en équipe de France. Il a été renouvelé à la génération 87. Avec, connu, je te coupe, Karim Benzema, Jérémy Ménez, avec qui tu as joué du côté de Bordeaux aussi. Atem Ben Arfa, quand il était du côté de Newcastle. Bon, il y avait du Olivier Giroud aussi. Hein, Olivier Giroud. Et Franck Ribéry, on a du Yann Mvila, on a du Flo Malouda qui est passé par l'OL, Blaise Matuidi, Marvin Martin, l'éternel nouveau Zidane, Gaël Clichy, Philippe Mexès, Adil Rami, Patrice Evra, que tu connais évidemment, Mathieu Debuchy, Anthony Révélière qui jouait du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc oui, effectivement, Samir Nasri aussi. Oh, une super génération. Après et mon rôle était là. Tu as une super génération avec peu d'expérience. Et moi, qui suis dans ce rôle de troisième gardien, avec qui je m'entendais bien avec tout le monde. Donc, mon but, c'était quoi? C'était simple. Hein, c'était moi, je m'occupe de tout ça, c'est-à-dire que de tout ce qu'il y a autour de l'équipe de France, parce qu'il y a énormément de choses. Pourquoi? Ben parce qu'au moins, déjà, ça va éviter aux joueurs de s'éparpiller. Moi, j'avais un rôle de troisième gardien, donc je savais qu'il fallait qu'il y ait quelques éléments problématiques pour les gardiens devant moi pour que moi, je joue. Ben oui, du coup, j'ai essayé, moi, de m'occuper, si tu préfères, de tout ce qui était… C'était moi qui étais chargé de m'occuper de tout l'autour de l'équipe de France pour pas qu'eux perdent de l'énergie là-dedans. Il y a de l'énergie qui a été perdue à l'Euro 2012. Il y a encore eu des polémiques, rappelle-toi. Le chute de Nasri après l'égalisation contre l'Angleterre en direction d'un journaliste de l'équipe. Ça avait fait les choux gras de la Bresse. Il y avait eu une ambiance quand même assez tendue quand même par rapport à ça. Ouais. Ah, nous, non. Non, c'est ça le problème. C'est vrai? Pas du tout tendu, là. C'est vraiment court. Parce que tu vois, cette équipe de France, c'était un peu ce que je retrouvais quand je te parlais des meilleurs groupes que j'ai eus. Ouais. Mais le problème, c'est que c'était trop, là, par contre. Là, tu avais une bande de coquins. Voilà, les jeunes, là. Tu avais les Nasri. Quand tu mettais Nasri, Ménez, Benzema, Ben Arfa, Martin, Rami, Mexès ensemble. Ah là 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 là. Jusqu'à 8h du matin. Non. Il dormait jamais. Non. Alors attends, comment il a fait Lolo White? Il a fait comment Laurent Blanc pour manager ce groupe? Tout le monde a adoré, mais tout le monde s'éclatait. Hein. Ok. Je veux dire, c'est là où je ne suis pas d'accord. Ce qu'il faut se mettre en. Parce que là, moi, je suis complètement pas d'accord du tout sur 2012. Et 2012, on joue l'Espagne en quart de finale. Ouais. C'est comme si chaque année, tu arrives en quart de finale de la Coupe de France et tu joues au Parc des Princes. Avec la meilleure. Tu vas gagner en plus. Oui, 2-0. Non, mais gagne à la fin, qui gagne la compétition. Ouais. Non, mais c'est la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Ils viennent de gagner la Coupe du Monde 2010. Ils ont gagné deux fois l'Euro, une Coupe du Monde d'affilée. Tu perds contre l'Espagne. L'Espagne, Fabregas, David Villa, Casilla, l'Espagne qu'on peut comparer au Lyon des années 2000. Donc il faut arrêter de dire qu'on a raté la compétition. Tu tombes contre l'Espagne, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis non, franchement, on va les battre. Non. Ils sont trop forts. Ils étaient trop forts. Donc là, et nous, on n'avait pas assez d'expérience. Mais t'avais une sacrée. Ouais, je pense. Non, mais il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que les médias, ils étaient dans une vendetta, entre guillemets, contre l'équipe de France. Tu payais juste 2010, c'est tout. C'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je suis très dubitatif quand je réfléchis par rapport à cette époque-là et tout. Parce que c'est vrai que les sentiments de l'époque étaient de se dire ah là là, on a manqué quelque chose, etc. Alors que quand tu prends du recul, tu te rends compte qu'en fait, c'est les médias qui ont complètement envenimé la chose et que je pense qu'effectivement, il y avait un bon groupe d'ailleurs qui a construit la société. Cédric, regarde les joueurs de 2012. Regardez la liste des joueurs. Oui, c'est magnifique. Elle est magnifique, sauf qu'il y a eu quand même des accrochages. Moi, je me rappelle de 2012, Laurent Blanc et Samir Nasri qui étaient protagonistes avec ce chute qui a fait un peu… Ils ne s'entendaient pas forcément. D'ailleurs, il l'a reconnu, Laurent Blanc. Il a dit on avait deux gros caractères, ça a été difficile. Donc, je pense qu'il a eu un management de groupe avec des jeunes qui a été compliqué à ce moment-là. Je pense. C'est toi qui peux… Après, le problème, c'est qu'il a associé tous ces jeunes en même temps. Voilà. Et peut-être qu'ils étaient trop en bande à ce moment-là et que
ils étaient contents de tous se retrouver et ils faisaient un peu leur loi. Donc oui, tu avais un peu de, un choc, on va dire, de génération. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de problème direct. Après, Samir, oui, il a toujours eu un gros caractère. Enfin, on parle de Nasri. Nasri, moi, Il lui reprochait, il l'a dit dans la presse, qu'en gros, que Samir Nasri se reposait sur ses acquis et qu'en gros, il était un petit peu en dilettante. Et que c'était ouais, ça. Après, Samir, je le connais. Je veux dire, moi, j'étais déjà pro à Marseille. J'allais au centre de formation, il avait 14 ans. Il avait une bouche comme ça déjà. Mais il a toujours été comme ça. Mais à dehors de ça, c'est un amour, Samir. C'est juste que ça fait partie de sa personnalité de parler. Mais il n'est pas dilettante. C'est les mecs qui bossent. Moi, je peux vous garantir qu'en Ukraine, pour l'Euro 2012, les mecs, ils travaillaient. Et on restait des 35-40 minutes avec les Nasri, les Benzema, les tout ça à la fin des entraînements, à faire des séries de frappes, des reprises de volées. On en a fait des heures sup, je vous le dis, pour essayer d'être meilleur. C'est juste... qui sont tous arrivés en même temps, avec peu d'expérience. Et du coup, juste après cette Coupe du Monde 2010, plus la fédération, alors ça après, par contre, je ne connais pas les problèmes derrière Laurent Blanc, Le Graët, ce qui s'est passé. Il y a eu ça aussi, ouais. Voilà, moi, ça, j'en sais rien. Ça, c'est hors de mon contexte à moi. Mais au niveau du groupe, je vous garantis que si ce groupe-là, vous avez quelqu'un qui les tient bien, et que vous leur laissez 2-3 ans pour s'affirmer dans le jeu. Ah ouais, on aurait pu aller loin. Voilà. Bah, j'espère que Laurent Blanc, il va réussir à cadenasser un petit peu les jeunes Lyonnais qui sont a priori un peu comme ça. Hein. C'est ça le truc aussi. Hein. Ouais, mais c'est la nouvelle génération. Je veux dire, on a un problème. Pas un problème, parce que c'est pas vraiment un problème. On a une adaptation à faire, on va dire. C'est que le foot d'aujourd'hui, les jeunes sortent de plus en plus tôt au niveau star, on va dire. Très tôt, on les fait signer pro. Très tôt, on leur offre des contrats incroyables. Donc, très tôt, ben, tu as toute la famille autour, tout l'environnement qui se met en route et qui croit que c'est arrivé. Le problème, c'est que quand ces jeunes ils vivent dans cet environnement-là où tu as tout le monde autour de toi qui te dit « t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort », t'es le plus riche, t'es le plus ci, t'es le plus ça, t'as 19 ans, mais t'as la tête qui explose. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Je veux dire, il faut n'importe qui, alors on peut être les plus solides du monde, même moi qui ai la tête sur les épaules, qui j'ai eu la tête sur les épaules toute ma carrière, ben, quand tu joues devant 60 000 personnes, que t'es en équipe de France, que tu gagnes bien ta vie, que tout le monde te dit t'es le plus beau, t'es le plus fort, ben à un moment donné, tu te sens un peu sur un nuage. Mais c'est normal. Ce qu'on reproche aux jeunes de Lyon aujourd'hui, ce qu'on reproche à Mbappé à un moment donné, mais comment tu veux que le gamin, à un moment donné, il n'explose pas? C'est normal, mais il faut le laisser faire. Mais par contre, il faut quelqu'un à côté qui soit capable à un moment donné de lui dire « Stop, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as explosé ta tête, tout va bien, maintenant, on se remet au travail ». Parce que sinon, tu vas en faire des jeunes déçus. Et oui. Combien de super espoirs exceptionnels on a perdu en France à cause de ça? Et, oui. Et on Mais a le même... Bon, j'imagine, c'est la même chose. Si on suit bien ce que tu dis là, ça veut dire qu'en gros, déjà, ce qu'il faudrait, premièrement, c'est peut-être plus de préparateurs mentaux dans les équipes comme ça, notamment pour les jeunes. Notamment du fait que vu qu'ils partent de plus en plus tôt de chez eux, mine de rien, ils ont... entre guillemets, il faut continuer à les éduquer vu qu'ils partent très tôt. Et comme dit Jérôme dans le chat, ils ne sont pas assez protégés. On crée pas, on leur donne. Ils sont mineurs, donc ils dépendent de leurs parents, de leur famille au départ. Donc, si tu n'as personne pour les protéger à un moment donné, comment tu fais? Si tu n'as pas la structure au club qui permet de les protéger de tout ça, mais c'est difficile. Après, tu demandes à un mec comme Laurent Blanc ou un autre qui arrive aujourd'hui à l'OL de dire « Bon, tu vas me régler les cas des jeunes, là, que ça fait 5-6 ans que c'est le bazar, là. Ouais, » je leur raconte quoi. Pour l'instant, avec Cherki, ça a l'air de fonctionner. Parce que justement, nous, le jeune à Lyon, c'est Ryan Cherki, sur qui on pose… Oui. Voilà, on attend beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que là, on a l'impression, depuis le début de l'année 2023, que Laurent Blanc, il a réussi finalement
à trouver ce qu'il fallait pour que Ryan Cherki. Alors, oui, Laurent Blanc, il a trouvé, mais je pense que Cherki, à un moment donné, il a décidé, lui, dans sa tête, de se dire oui, il faut que je l'écoute. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. De ce, à un moment donné, que les joueurs, ils se disent ouais, il a quand même fait pas mal de trucs. Il a fait monter plein de joueurs qui arrivaient de nulle part. Ouais, c'est clair. Ouais, je devrais peut-être essayer de l'écouter. Et tu vois, et du moment qu'il va faire ça, Cherki, ici, Laurent Blanc, derrière, il enclenche en lui disant « Ok, maintenant, tu es dans le truc, tu joues et regarde, tu as direct des résultats. Regarde le match. Mmh. » Ouais, mais sans faire trop de généralité, même, je dirais même que c'est une histoire générationnelle parce que, par exemple, des générations, je dirais même comme la mienne hein, et au-dessus, c'était quand un ancien te parlait ou quoi, c'était vraiment « j'écoute, j'y vais ». Je vais faire ce qu'il me dit. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est carrément des presque. Ils ont besoin de preuves. Et Laurent Blanc arrive avec ses preuves, puisqu'il est champion du monde, champion avec Paris aussi, etc., etc. C'est un entraîneur exceptionnel avec un bagou de joueurs énorme. Je pense que c'est ça, au final, qui peut être l'aide aussi par rapport à Cherki, non ? Bien sûr, oui. Ben ça l'aide parce qu'il te faut toujours. Le problème, c'est que quand tu arrives dans ces jeunes qui ont été formatés depuis trop longtemps, c'est d'arriver, comme tu dis, avec une. Tu arrives avec un passeport validé, tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Il faut que. Ok, qu'est-ce que tu as fait toi dans ta vie? Ok, bon, ben, peut-être je vais t'écouter alors. Mmh. C'est malheureux, mais ça marche comme ça. Mais ce n'est pas leur faute à eux. C'est parce qu'on leur a fait croire plein de trop de choses. Oui, bien sûr. Et qu'à un moment donné, ils sont installés dans un confort. Après, là où je reste persuadé aussi de plein de choses, et je le vois aujourd'hui, moi, dans ce que je fais, c'est qu'on a. Les jeunes d'aujourd'hui, à la base, moi je les côtoie aujourd'hui, ils ont entre 12 et 16 ans, mais ils sont tous passionnés, ils sont tous pleins de kiff, ils adorent tous qu'on soit là, nous anciens pros, pour venir les voir, les entraîner, les aider. Ils sont adorables et j'en ai pas vu un seul qui a la tête à l'envers, pas un seul. Donc, je pense que c'est juste après ce laps de temps, quand tu as l'environnement à eux, qui vient se mêler, qui se dit « Attends, là, ça commence à sentir bon. Pour lui, oui, mais surtout pour nous. » Moi, pour moi, le problème est là. Il n'est pas avant. Parce que, j'en sais rien, je ne le connais pas. Attention, hein, je dis un nom, pour dire un nom comme ça, parce que Étienne, on parlait de Cherki. Je ne le connais pas. Je te garantis que je sais pas. Je connais pas son environnement et je le connais pas personnellement. Mais je suis sûr que Gamin, c'est un gars super et que maintenant peut-être. Il adore le foot, hein, Ryan. Hein. C'est quelqu'un qui adore le foot. Laurent Blanc le dit. C'est quelqu'un qui adore le foot. Moi, je le connais pas, mais je pense que c'est un gamin à la base qui aime ça et que peut-être qu'il a perdu un peu de temps parce que au niveau de l'environnement, c'était compliqué. Et j'en ai même croisé un l'autre fois. J'avais commenté la finale de la Gambardella pour. Ah ouais, c'était on a gagné. Mohamed El Arouche. Et ouais, il y avait un numéro 10 avec un talent incroyable. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Mais ouais, lui, pareil, je crois qu'il a du talent, ce gamin. Alors, je sais pas, il est en pro maintenant. N2, N2. Il fait quelques entraînements avec le groupe pro. Voilà. Par contre, dans le stade en Gambardella, il y avait 25 personnes avec lui. Et dès qu'il marquait, au lieu d'aller voir les coéquipiers, il est parti dans la tribune sauter. Voilà, c'est ça, tu vois. Le problème, c'est à ce moment-là. Il cherche à comprendre au gamin. Alors attention, c'est bien, il faut penser à sa famille, il faut savoir remercier les gens qui t'ont aidé, ça c'est clair, ça fait partie de l'éducation, je suis d'accord. Mais il faut, si les gens veulent son bien et qu'ils veulent accompagner ce gamin et qu'ils veulent par exemple encore plus que lui leur rendre ce qu'ils ont fait par le passé. Ben, qui le mettent dans les meilleures dispositions, qui le laissent tranquille, en fait. C'est intéressant. Il y a des gens compétents dans les clubs qui sont capables de faire monter les talents où il faut. C'est pas lui racontant que c'est le plus beau, le plus fort, qu'ils vont réussir. Et ben, par exemple, moi, c'était l'exemple que j'avais eu au moment T en Gambardella. Comme je ne connais pas le gamin, le seul truc que j'ai vu qui me fait dire ça, c'est qu'il a un talent de fou. Voilà. Mais des gamins avec du talent de fou qui n'ont pas réussi, j'en ai vu des milliers.
Tu vois, tout ce qu'on se dit là, Cédric, c'est, ça rejoint un petit peu l'aspect mental. Et c'est là où j'aimerais aussi qu'on s'entende là-dessus, sur cet aspect mental, puisque on prend l'exemple récent de l'Olympique lyonnais. Au Mercato, Laurent Blanc a parlé en conférence de presse de joueurs malheureux à l'Olympique lyonnais, notamment Romain Fèvre, qui n'était même plus capable de s'entraîner alors qu'il est jeune. On parle de Oussem Aouar, de Moussa Dembélé, qui sont en fin de contrat et qui sont malheureux. On a parlé de Karl Toko Ekambi, qui a été pris en grippe par le public, qui est parti à Rennes en prêt. Laurent Blanc a dit, effectivement, ces joueurs-là qui ne sont pas heureux, il faut qu'ils s'en aillent. Par contre, moi, quand j'étais joueur, j'étais en fin de contrat, mais je me donnais à fond pour pouvoir accéder à quelque chose. Alors là, c'est ce sujet de l'aspect mental. Est-ce que comment un joueur ou un jeune joueur peut gérer tout ça? Parce qu'il y a une forme de dépression un petit peu chez certains. Il parle de malheureux. Derrière ce terme-là, il y a d'autres choses. Tu peux être malheureux de ta situation dans ton club, mais d'en arriver au point à faire des dépressions dans le monde où tu vis, c'est-à-dire que tu fais du sport tous les jours en extérieur, tu vis ta passion de gamin, moi, je ne comprends pas. C'est qu'à un moment donné, il y a un problème autre que le foot. Ce n'est pas possible. Ou le mec, ok, qui te dise « oui, je suis malheureux d'être à Lyon parce que je ne trouve pas ma place, parce que j'espérais autre chose, j'ai envie de partir ailleurs, je vais trouver une solution, je vais essayer. » Ok, le mec, il est honnête, il te dit que ça ne va pas, il va essayer de partir et voilà. Par contre, des mecs qui baissent les bras, pour moi, ce que j'appelle baisser les bras, c'est-à-dire que tu es dans le… Il faut se rendre compte que… Enfin, peut-être pas le meilleur du monde, mais ça reste un des plus beaux métiers du monde, le footballeur. Vous vivez, c'est ce qu'a dit Laurent Blanc. Vivez de votre jeu de gagner au départ. Ouais, ouais. Et vous vivez bien, très bien, dans toute votre vie. Vous avez la chance d'être dans les plus grands clubs de France, dans des conditions, on va dire des conditions humaines au départ, parce que je vais laisser l'humain d'abord, et des conditions ensuite financières qui te permettent de pouvoir construire des choses autour du foot, que tu ne peux pas te plaindre en fait. Enfin, tu peux dire que oui, ta place, elle ne te convient pas, mais ça ne doit jamais sortir en fait. Parce comment tu vas expliquer ça aux gens? Je suis en dépression parce que je ne joue pas. Ouais, okay. Ouais, c'est ça. C'est ça tous les mois, du coup, tu es en RTT, tu es rentré chez toi, tu as fait un abandon de salaire et tout. Ah non, mais 80, 100 000, 115 000, je les prends. Ouais. Ah. Ça. Alors, donc, à un moment donné, j'ai été joueur, j'ai gagné ces sommes-là, même plus, honnêtement. Mais tu ne peux pas te… C'est ce que je dis. Rester au foot, au terrain, mais arrête, il ne faut pas se mentir non plus. Alors, on peut pas. Je suis contre aussi les gens qui disent « oui, il est payé tant, mais il est nul ». Ça, c'est encore un autre débat. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, l'argent que prennent les footballeurs, il n'y a personne qui arrive avec un calibre sur la tête du président. Ouais. Bon, ils récupèrent que ce qui est donné au départ dans le monde du foot. C'est un débat différent. Ce que je veux dire, c'est que quand tu parles d'être malheureux, en dépression, ou que quand tu te fais un peu siffler ou même huer dans un stade, tu n'es pas capable à un moment donné d'avaler ta salive et te dire « ok, je vais y aller sur 2-3 actions, je vais remettre tout le monde d'accord ». Et le public, tu sais, le public du foot, c'est un public de corrida. Si à un moment donné, tu te lèves un peu le cul et que tu mets 2-3 tampons, tu cours partout, tu montres que tu as envie, le public, en 5 minutes, tu le retournes. Hein. C'est vrai. Si les gens, à un moment donné, ils se font siffler, c'est qu'il y a une bonne raison. Moi, je me suis déjà fait siffler pour de bonnes raisons. Pas beaucoup, j'ai eu de la chance dans ma vie parce que j'ai toujours tout donné. Mais ça m'est arrivé sur certains matchs de le faire. Le match d'après, tu te donnes tout à fond et c'est fini. C'est fini. Parce que qu'est-ce qu'attend le supporter? Le supporter, lui, il vient… Oui, c'est la vérité. Il vient au stade, il prend des abonnements, il fait des sacrifices pour assister à tout ça. Oui. Pour venir faire partie de la vie d'un club. Et ce supporter, oui, ok, c'est un millième de ton salaire que tu touches, mais il contribue à tout ça. Donc, toi, le minimum que tu as, c'est de rendre ce qu'on t'a donné. C'est-à-dire,
Je dis pas, les joueurs, ils font leur contribution, ils payent leurs impôts comme tout le monde. Hein. Je veux dire, sur 100 000, il y en a 50 000 qui partent aux impôts. Hein. Faut pas rêver. Donc, les 50 000, ils servent aussi à la contribution de la société. OK. Mmh. Mais pour les autres 50 000, à un moment donné, tu as la chance donc, de pouvoir, grâce à toutes ces personnes et à toute la confiance qu'il y a autour de toi, qui est un peu indulgente parce que ça reste un sport, parce que c'est un sport populaire, le foot. Il faut accepter. Pour moi, le joueur qui s'en va parce qu'il a été sifflé deux fois ou le joueur qui est en dépression parce qu'il n'est pas heureux, il a... Alors oui, je ne dis pas qu'il n'a rien à faire au foot. Peut-être qu'il sera heureux ailleurs. Mais en tout cas, ça ne deviendra jamais un grand. Jamais. Ah jamais oui, mais complètement. Mais ce sujet-là du burn-out chez les sportifs, tu sais qu'il ressort beaucoup. Il y a eu des articles, beaucoup dans l'équipe, il y a eu une enquête, etc. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui avouent avoir été en dépression pour plein de choses. Et notamment, toi qui l'as connu, et on en parlait, je ne sais plus si c'est Constant ou dans le chat, toi, tu as vécu les blessures. Tu avais des grosses blessures. Ça peut te mettre au fond, Cédric. Comment tu as réussi à te relever, à trouver le levier. Parce que la blessure, tu l'as dit chez Colin, tu es en dehors du groupe. Tu n'existes plus. Tu ne fais plus partie, tu ne sers plus à rien. Tu vois, ça, l'aspect mental là-dessus, il est important dans le sport. Comment toi, tu étais... Mais parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que je faisais, moi? C'était tout simple. Hein. Tu sais, le premier truc que je me disais, j'étais blessé. Le premier truc que je me disais, bon, ça ne change pas ma vie. Je vais pouvoir vivre comme d'hab, en fait. Parce que ce n'est pas parce que tu es blessé que tu es... Enfin, ta vie, ton rythme continue. Si tu n'as pas fait n'importe quoi, ben, tes factures sont payées. Enfin, ça reste une blessure, un accident de travail. Et ben, moi, comment je le prenais? Je me disais, ben, écoute, on va prendre des vacances mentales. Moi, je n'étais pas blessé, je prenais des vacances mentales. Je sortais à chaque fois ce mot. Mmh. Ben oui, je vais en profiter parce que là où je peux rejoindre certains joueurs, sur certaines aspects. Dont Raphaël Varane, je pense que tu peux nous parler de Raphaël Varane qui dit que c'est allé dans une... De la pression, oui, il y en a. Mais oui, il y a de la pression, c'est pas toujours évident. Je veux dire, par contre, alors oui, tu es confortable, tu gagnes bien ta vie, tu es dans un beau club, tu as les plus belles choses du monde qui te viennent à toi, pas de problème. Mais par contre, ça reste difficile, il faut être tous les jours, tous tes mots sont analysés, tu es toujours sur le devant de la scène, tu n'as pas droit à l'erreur, au moindre truc de travers, que tout le monde pourrait faire, mais ça fait partie du jeu. Il faut savoir s'en accommoder, il faut savoir être intelligent là-dedans. Mais au niveau mental, moi, ce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter aux joueurs d'aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer de prendre tous les trous que tu as, comme les blessures, par exemple, pour pouvoir se dire, bah, écoute, OK, plus personne pense à moi, bah, tant mieux. Tant mieux. Je vais en profiter pour me régénérer, me repréparer, le jour où je reviens, je serai prêt sur le devant de la scène et solide à tout ce qui engendre le football. Et moi, c'est de l'ego. C'est de l'ego bien placé, pardon, au final. C'est le mettre à profit, se dire je reviens et je montre que je suis là au lieu de penser complètement l'inverse. Et vas-y, vas-y, pardon. Non, vas-y, c'est que je voulais finir sur ça. C'est que... Vas-y. Juste un dernier truc au niveau mental, c'est tout le monde se plaint de tout ça et tu as des mecs aussi qui se plaignent de se dire « Ouais, je fais que me faire insulter sur les réseaux sociaux. » Mais coupe-les. Tu prends, tu coupes. C'est OK. Tu les mettras plus tard. Coupe-les tes réseaux sociaux. Tes réseaux sociaux ne te... Alors aujourd'hui, on te dit « Oui, mais pour l'image de marque et tout. » Mais c'est bon, tu n'es pas influenceur. Tu ne fais pas de la télé-réalité. Si, ils sont influenceurs aujourd'hui. C'est ça le truc. Non, mais là, c'est bon, je ne suis pas d'accord. À un moment donné, concentre-toi déjà sur ton métier et tu te crées un truc de neutre où il n'y a pas de commentaires, mais où toi, tu ne racontes pas ta vie toutes les 5 minutes. Et que tu ils disent souvent, tu sais, on a parlé tout à l'heure de Benoît Chéroux que tu as connu. Il y a Bruno Chéroux qui est aujourd'hui à la cellule de recrutement. Je le directeur du recrutement. Tu connais les deux. OK. J'ai joué avec Bruno. Voilà. Bruno Chéroux, il est attaqué sur les réseaux sociaux. On l'a attaqué aussi sur cette chaîne par rapport aux résultats qu'il a eu dans le recrutement, sur sa communication. Tu sais, quand il a dit « c'est pas anodin » en parlant du recrutement de Marseille, du recrutement de Lyon par rapport à Marseille, rappelle-toi tout ça, il a été démonté sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube, etc. Il en a parlé en conférence de presse, il a dit « écoutez, ça fait partie du jeu, je l'accepte. Sauf qu'il y a des dommages collatéraux qui sont ma famille, qui sont mes amis, etc. Et ça, je le vis mal. » Tu vois?
Alors, je ne sais pas si on en a parlé ou autre, mais c'est triste. Je veux dire, le problème, c'est. Ouais, mais alors, sur les. Mais, je ne sais pas, il faut trouver le bon équilibre. Je sais que moi, par exemple, je ne lisais pas. Alors, je sais, tu ne peux pas être aimé par tout le monde dans le foot, hein, même si tu es le meilleur. Hein. Donc, tu es obligé de te faire. Et au plus tu as de la notoriété, au plus tu es dans un grand club, au plus tu te fais détruit, adulé en même temps. Donc, c'est très compliqué. Ça dépend toujours des résultats. J'ai essayé de fuir les commentaires, en fait, tout simplement. Parce que, déjà, comme ce qui est clair, c'est que déjà, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. C'est impossible. Donc, même les meilleurs joueurs du monde, et quand tu vois Cristiano Ronaldo, ils vivent mal la critique. Bruno Chéroux, pour revenir à lui, il a dit « Je suis un homme, je vis mal les choses. » Oui. Qu'est-ce que vous me demandez de faire? De partir, c'est ça? Eh bien non, je ne vais pas partir. Il accepte les choses. Parfois, tu vois ce que je veux dire? Oui, après, il y a des choses qui vont loin parfois, tu vois. Moi, j'ai entendu 2-3 histoires, par exemple, au niveau de… C'est là où moi, j'étais un peu… En général, les réseaux sociaux, je pense qu'on peut les éviter. Après, le problème, c'est le débat journalistique, des fois, qui peut être compliqué. Tu vois, comme quand tu avais un Khazar qui s'attaquait toujours à un joueur en particulier, comme Bodmer ou comme, comment il s'appelle, comme Jourdain, qui fait passer pour un peu de base. Diabaté aussi, bien connu. Là, c'est des choses qui sont plus compliqué. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur ce genre de média qui peut faire rire tout le monde, ça fait rire la galerie, je sais bien. Mais par contre, oui, tu as des enfants. Tu as les enfants des parents qui regardent ça, qui rigolent de ça entre eux. Tu as les enfants qui entendent, qui sont à la même école que les enfants du gars qui viennent se faire tailler, qui après le disent aux autres. Alors là, des fois, tu peux avoir des dommages. Ça peut arriver, ça. Ça, c'est le seul truc. C'est le seul truc qui peut... Il peut être complexe, tu vois, quand ça va toucher au-delà du sportif. Moi, je te jure, j'adorais quand on me taillait. Je kiffais. Moi, à Gerland, mais écoute, j'ai toujours joué contre Lyon. Ça a toujours été un gros adversaire. Mais qu'est-ce qu'on s'est insulté avec les bad guns et tout. Mais j'adorais. Mais ça fait partie du foot. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, le soir, même si j'en avais pris 3 et que je m'étais insulté avec tout le monde dans le stade, mais j'étais heureux parce que tu vis en fait le truc. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vis le truc. Le foot, c'est ça. On est tous supporters. On est tous, on aime tous notre club et un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre qui passe et tu te renvoies la balle. Tant que ça reste dans le. Tant qu'il n'y a pas de violence, tout ça, bien sûr. Mais le foot, c'est ça. C'est à un moment donné d'extérioriser les choses. Moi, tu me jetais des trucs, tu m'insultais de tous les noms. Mais j'adorais ça. Mais tu sais, l'adrénaline, aujourd'hui, moi, je ne l'ai plus, ça. Mais je vois à quel point je l'aimais. Et pourtant, comme je te dis, tu vois, aujourd'hui, je suis sur votre chaîne. Et pourtant, combien de fois je me suis insulté avec les Lyonnais. Mais pour autant, je ne suis pas là en train de dire « Ouais, je suis là pour… » Mais non, parce que Lyon fait partie de ma vie. Et je respecte ça. Parce que ça fait partie de ma vie à moi. Et je suis content de pouvoir échanger aujourd'hui. Et j'en profite beaucoup de cette après-carrière pour échanger même avec les gens avec qui je n'ai pas eu pu trop le faire. Tu vois, je n'ai jamais autant parlé avec Jean-Michel Aulas que depuis que j'ai arrêté le foot. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de Jean-Michel Aulas? On en a parlé un peu tout à l'heure. Mais moi, quand j'ai parlé avec Jean-Michel Aulas, je ne parlais pas de l'actualité des bonnes. C'était de prendre le temps de rencontrer un monument de mon sport, tu vois, dans mon pays. Mais moi, j'adore parce que quand tu es joueur, tous les joueurs rêveraient d'avoir un président comme lui. Pas parce qu'il donnait des salaires confortables à Lyon. Hein. C'est parce que quoi qu'il arrive, il te défend. Tu vois ce que je veux dire? Il va toujours faire dans l'intérêt du joueur. Il défend son board. Il défend Bruno Chéroux. Il défend Vincent Pousseau. Des fois, il se met lui pas bien. Mais il le fera toujours. Enfin, c'est le bon père de famille, en fait. C'est le papa que tu rêves d'avoir. Comme moi, j'ai eu Trio à Bordeaux. Comme j'ai eu Sadran à Toulouse. Comme j'ai eu Pape Diouf à Marseille.
C'était un peu tes papas, tes grands-pères, tu vois, c'est ton papy, quoi. Mmh. Moi, j'adore. Mmh, mais ouais, mais quand t'es jeune, que t'arrives à 20 ans et que t'as ton président qui a 60 balais, ben oui, c'est un peu la famille que t'as pas eu le temps trop à voir quand t'étais jeune parce que t'es parti à 13 ans dans un centre de formation. C'est un peu tout ça. Et tu kiffes avoir des présidents comme ça. Moi, Jean-Michel Aulas, Lyon, j'ai mis une statue au milieu du stade. Tu lui diras. Je pense que ce qu'a perdu Lyon, de toute façon, pendant un temps, c'est justement aussi le fait qu'il ait voulu se mettre en retrait. Parce que tout ce que tu viens d'énoncer là, c'était aussi les raisons qui faisaient que les joueurs se sentaient bien à Lyon et qu'en se sentant bien, bah, ils allaient pouvoir donner 100% de leur capacité. À partir du moment où il s'est mis en retrait, on a ressenti tout de suite qu'il y avait beaucoup moins de liens dans le club, beaucoup moins de force aussi, parce qu'au final, c'est lui qui l'apporte. Du coup, tu lui diras de passer chez nous. Hein. Il refuse systématiquement de venir en interview chez nous parce qu'il s'adresse qu'à des médias classiques. RMC, on critique trop. Après, je pense qu'un jour, il prendra peut-être le temps de faire ça, connaissant le personnage. Après, tu sais, c'est quelqu'un qui a une vie qui a une vie chargée, même en dehors de l'OM. Ouais, qui imagine. S'il devait s'arrêter à tout le monde, il ne s'en sortirait pas, le monsieur. Bref, on arrive dans la dernière partie de cette passionnante émission avec toi, Cédric. Et on aimerait aborder cette question-là parce qu'elle te concerne directement. C'est Anthony Lopez et l'évolution du poste des gardiens. Ouais. Question toute simple. Donc, par rapport à ce que tu vois, à ce que tu as été en tant que gardien, à savoir un gardien très, très bon sur sa ligne notamment. Un gardien assez grand, hein. Tu fais 1m87, on en parlera aussi après. Anto Lopez, lui, fait partie de ces gardiens qui ne sont pas très grands, entre guillemets, il fait 1m82. Par rapport à ce que tu vois d'Anthony Lopez, tu nous parlais tout à l'heure d'une grande équipe doit avoir un grand gardien. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'Anthony Lopez est l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Par rapport aux prestations qu'il fait, il porte son équipe. Alors quand, bien sûr, l'équipe est portée par son gardien, c'est jamais bon signe. Mais quel regard tu portes sur notre gardien Anthony Lopez et ses performances ? Ben, moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup parce que déjà, j'aime bien sa personnalité qui parfois déborde un petit peu, mais il est dans l'esprit au moins. Moi, ça me plaît. Ça me plaît un gardien qui défend son steak, tu vois. Je veux dire, il est là depuis un moment à Lyon, il s'est toujours battu. On a essayé 2-3 fois de lui mettre un peu des gars dans les pattes, il s'en est toujours sorti. C'est vrai. Après, comme je dis, parfois, il y va un peu trop loin, donc c'est là où je me souviens aussi d'avoir fait quelques matchs où on s'est un peu attrapé parce que... Il a commencé en 2012. Ouais, des fois, il exagère un peu, il extrapole un peu tout ça. Une fois, on n'avait plus rien à jouer, que ce soit à Lyon ou nous, à part garder les places en Coupe d'Europe, tu sais, figé, quoi. Troisième, nous, cinquième, on pouvait. Mais par contre, nous, on n'avait pas le droit de perdre. Et c'est vrai que dans les arrêts de jeu, les 4 minutes d'arrêt de jeu, il voulait jouer vite les ballons. Je ne sais pas pourquoi. Il m'est venu la folie alors qu'il n'avait rien à gagner de plus, quoi. Bon, bref. Mais on avait vachement échangé, j'ai bien aimé le gars, j'ai bien aimé le garçon. Vous avez de la chance parce que oui, je pense que techniquement, il fait partie des meilleurs gardiens en Europe. Je pense un bon top 15, il fait partie de ces gardiens-là. Malheureusement pour lui, en sélection, il n'a pas eu la chance de pouvoir s'exprimer à chaque fois pour différentes raisons, j'imagine, autres que son niveau. Ouais, extra sportif. Ouais. Voilà. Mais c'est un bon gars, c'est un gars qui, voilà, ça fait partie des légendes aujourd'hui, oui, qui seront de Lyon. Tu te rappelleras de Greg Coupé, tu te rappelleras d'Anto Lopez, oui, c'est clair. Après, dans l'évolution, il est là. Non, j'ai pas grand-chose à dire à part du bien de lui, franchement, c'est un tout bon gardien. Moi, par rapport à lui, j'ai une vraie question par rapport à ça. Quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup à ce poste-là aussi, le poste de gardien. Et on m'a toujours appris à être maître de ma surface. Surface, ma surface. Je trouve que Lopez fait partie de ces rares gardiens qui sont encore un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, dans ce côté vraiment c'est chez moi. Tu l'as dit juste avant, il défend son steak. Et on parlait aussi des médias tout à l'heure, etc. Est-ce que tu trouves comme moi que c'est les médias aussi qui lui ont collé une image entre guillemets très dure alors qu'au final il fait son métier
Dans l'idée, c'est vrai que parfois il a été fort. Il y a eu des 2-3 fois qu'on peut citer où il a été trop fort, mais il y a eu aussi d'autres fois où il a été injustement. Voilà, on a injustement dit que c'était qu'il était trop dur, quoi. Non ouais, ça, le problème, c'est que tu sais, quand tu es dans le milieu médiatique, peu importe, soit le foot, tout autre milieu, la première image que tu vas donner, on va te la coller. On va te la coller et là, pour l'enlever, l'étiquette. Ouais. Il en faut des années. Ouais. Donc oui, Anto, le problème, c'est qu'Anto, il ne fait pas partie de cette génération de gardiens qui fait 1m95. Mmh. Ok. Donc, on te dit qu'un gardien, aujourd'hui, il est bon s'il fait 1m90. Ok. Ouais, mais un gardien d'1m95, à part quelques gens comme Thibaut Courtois… Eh bien, attends, je te coupe, Cédric, je te coupe. Tu parles des, j'ai des stats, moi, de donner, moi, sur la tête des gardiens. Le gardien, il est de plus en plus grand. Hein, 1m90 en moyenne dans les 5 grands championnats cette saison. En Ligue 1, en 20 ans, il y a 5 cm de plus sur les gardiens. Plus on monte en gamme dans les compétitions, donc jusqu'à la Ligue des Champions, plus les gardiens sont grands. Donc, tu vois, il y a quelque chose, il y a un truc là qui se fait là sur la taille. Le truc qui se fait, il est seulement, moi je le prends de mon côté français, il est fédéral. Hein, aujourd'hui, on entend des consignes où il faut que le gardien à tel âge, il fasse. Aujourd'hui, dans les critères de sélection des centres de formation, ils veulent savoir combien le gardien va mesurer à 14 ans. Quoi. Ah ouais? Eh oui. Ah donc tu es en contradiction avec ce que dit Franck Ravio, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, lui dit que c'est pas du tout ça, qu'on est plutôt sur les qualités intrinsèques des. Non, je reste persuadé que Franck le pense vraiment. Mais je sais qu'il y a des consignes dans des clubs. Ok. On te dit, ok, il est grand, il a 14 ans, il est bon, mais combien il va mesurer? Ok. Alors, il va faire un 82. Bon, on va pas le prendre. Hein. L'autre, il est un peu moins bon, mais il va faire un 95. On va le prendre, lui. Ah. Okay. Mmh. Et là, tu te dis, attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Là. Donc, aujourd'hui, oui, le poste a changé. C'est vrai qu'il y a une mode qui a été lancée au niveau voilà, des Anglais. Neuer, Ederson, Tsech. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Moi, je pense pas. Après, Là où j'ai été surpris pendant la Coupe du Monde, j'ai vu quelques gardiens vraiment, ils étaient tous très grands la Coupe du Monde quasiment. Il y avait que des, je crois que la moyenne c'était un 90 ou 12, je sais plus. Bref. Mais j'ai vu des bons gardiens, même Arabie Saoudite, des pays où tu n'avais pas l'habitude, tu as vu des super gardiens, des mecs qui étaient même grands, explosifs et tout. Donc, bon, ils arrivent à en faire des gardiens explosifs, mais. Mais sur le long terme, moi, je ne suis pas sûr. Et tu vois, le problème, c'est qu'Anto Lopez, il doit compenser. Parce que lui, pour le coup, il est, entre guillemets, petit. Attention. Guillemets. Un gardien normal, on va dire, en normal, en taille, c'est entre 87 et 89-10. Après, c'est des grands gardiens. Et en dessous de 86, tu es petit. Dans le gardien de but. Mais il faut bien qu'il compense quelque part. Ok, il est explosif. Ok, il va au charbon. Alors oui, une fois ou deux, certes, en mettant toute cette énergie, il a été non sanctionné sur des contacts qui auraient pu faire mal ou qui ont fait mal et il n'y avait pas de VAR, il n'y avait rien. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'a pas été sanctionné. Je me souviens aussi de 2-3 interventions où ben dans la vitesse, des fois, tu attrapes un peu tout et c'est vrai. Les arbitres ont rien dit. Mais comme c'est arrivé une fois ou deux, qu'est-ce qui s'est passé? Les médias ont commencé à dire oui, mais à chaque fois, il détruit tout le monde. On ne le sanctionne pas. Non, je pense qu'ils veulent, c'est pas qu'ils ne veulent pas le sanctionner, c'est qu'à un moment donné, l'interprétation à ce moment-là, ils se disaient non, c'est pas si grave que ça ou il n'y a pas faute. Tu vois? Et du coup, en force de répéter ça, maintenant, pour le moindre truc, on l'allume. Mmh. Et lui, être triste parce que ça l'empêche de jouer son jeu optimal quoi. Donc, ouais, moi je suis contre la campagne qui a été faite contre Anto Lopez. Juste pour finir par ça, non seulement on est d'accord, mais c'est vrai sur ce que tu dis aussi par rapport au fait que maintenant on prend des gardiens grands, etc. Pendant longtemps,
C'était pas le cas. Moi, je me souviens de beaucoup de gardiens qui ont été très très bons et qui n'étaient pas forcément immenses. Je me rappelle aussi quand on parlait de sortie un petit peu forte, celle de Barthez en 98, il me semble, hein, sur Ronaldo. Elle est exceptionnelle, etc. À cette époque-là, voilà, il n'y avait pas forcément de code sur les gardiens et j'avais l'impression que les gardiens étaient bien meilleurs jusqu'en 2010-2014. Que la génération qui arrivait après, où ils ont souvent beaucoup de failles. Alors oui, ils sont meilleurs au pied. Par contre, je trouve qu'au niveau des mains, au niveau des réflexes, du placement, etc., etc., ils ont beaucoup plus de mal qu'avant, notamment à aller au sol très vite. Ouais. Après, c'est vrai que l'évolution, là, on est carrément dans l'évolution. On va en parler de l'évolution tout de suite, Cédric. Tu vois, parce que ça, c'est important, l'évolution du poste de gardien. Ouais. Donc 92, tu sais que c'est la fin de la passe en retrait. Ouais. 2019, on peut jouer court dans ces 6 mètres pour le gardien, c'est une règle importante. Alors aujourd'hui, on peut dire vraiment, tu me diras si tu es d'accord avec ça, le gardien c'est un peu le 11e joueur, il participe au côté défensif, il participe aussi au côté offensif, il est tantôt relanceur, tantôt relayeur, il doit aussi protéger son but. Le gardien finalement, il a 90 minutes de travail, mon ami. Oui, bah ça fait quelques années que c'est comme ça, après ça me fait rire parce que bientôt, on dirait que le gardien il va aller marquer des buts. Non. Ouais, mais c'est ce que disent, par exemple, la Réa. C'est Christophe Lolichon qui le dit. Alors, tu dois connaître. Tiens, c'est très bien. Parce que, regarde, c'est très bien que tu fasses ça parce que moi, j'écoute beaucoup ce que dit Christophe Lolichon, qui a l'air d'être une sommité, ou en tout cas, il est beaucoup invité. Il dit des choses où vraiment, lui, il veut que le gardien soit grand. Il parlait de Sech comme une perfection morphologique. T'as entendu tout ça? Pourquoi tu te mets la tête T'es pas d'accord avec ce qu'il dit, toi, sur… Non, c'est pas ça. Il est gentil, Christophe. Je l'aime bien, franchement. Mais oui, ok. Il a sorti Petr Sech. Ça a été un des meilleurs gardiens d'Europe, du monde. Ok, il n'y a pas de souci. On sait que c'est grâce à lui qu'il est devenu l'entraîneur qu'il était, qu'il fait des émissions sur Canal+. Okay. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais il faut arrêter avec « j'ai la science infuse, j'ai la vérité ». Christophe, il a une très bonne philosophie qui lui appartient à lui. Mais ce n'est pas la science infuse et personne ne l'a. Il faut arrêter avec ça. Christophe, c'est un bon gars. Christophe, il a ses points de vue. Je suis d'accord sur certains de ses points de vue. Je suis tout à fait d'accord avec de dire « j'ai une façon de faire, de travailler ». C'est celle-ci et je l'appliquerai quoi qu'il arrive. C'est son point de vue à lui. Mais qu'il arrête de dire que c'est comme ça que ça se passe. Non. Cédric, c'est lui aujourd'hui qui dit qu'en gros, celui qui a révolutionné le poste de gardien, c'est Guardiola, notamment avec Neuer, avec Valdés. Il parle de Guardiola. Alors, est-ce que tu es d'accord avec lui quand il dit que c'est Guardiola aujourd'hui qui a fait l'évolution du poste de gardien, à savoir son 11e joueur, proactif pendant un match? Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Ok. Guardiola, oui, ok, il aime jouer. Guardiola, oui, il a pris un gardien, il le dit lui-même, qui est capable de dégager à… 75 mètres. Voilà, à 60, à 80 mètres, j'allais dire, j'allais exagérer. Ok, il a dit ça. Mais Guardiola, il n'a pas dit « j'ai pris un gardien pour qu'il me fasse 40 passes décisives dans l'année ». Il faut arrêter aussi. Je veux dire, Guardiola, il n'a rien participé du tout. Il a participé au beau jeu, il n'a pas participé à l'évolution du gardien. L'évolution du gardien, elle démarre de Barthez déjà, il y a 20 ans. Mmh. Lui, il jouait au pied déjà et qu'il cherchait à jouer au pied, que les gardiens commençaient à aimer le foot et à jouer avec la balle au pied. Je veux dire, l'évolution entre moi, quand j'ai arrêté aujourd'hui, parce qu'on peut jouer dans les 6 mètres, on est soi-disant plus technique, rien du tout. C'est quoi? Parce qu'on fait une passe à gauche, une passe entre les deux centraux vers le milieu de terrain, que tu es devenu un joueur technique. Mais les garçons, aujourd'hui, je t'en sors plein, ils ont les pieds carrés. Hein. Non, ils ne sont pas tous meilleurs. Ils sont encore… Par contre, ils ont régressé sur le vrai poste de gardien, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus concentrés sur le jeu au pied qu'autre chose. Mais sur les sorties, par exemple. Oui, sur plein de choses. Mais après, tu as plein de variantes. Il faut être honnête. Les ballons ont changé. Ça aussi, les ballons qui évoluent sans arrêt, des fois, c'est compliqué pour un gardien. Je te donne une stat, Cédric. Ouais, je t'ai dit, vas-y.
C'est les stats de Canal, même de la Ligue des Champions. Okay, 69% des actions d'un gardien sont au pied aujourd'hui en Ligue des Champions sur la dernière campagne. 80% de leur temps sont consacrés au jeu offensif, 20% au jeu défensif. Oui, mais ça, tu vois, il y a un... Mais qu'est-ce que tu appelles jeu offensif? C'est ce qu'ils appellent jeu offensif, tu te dis. Bah, je pense participer aux actions, les passes clés, passes D. Tu participes depuis toujours. Oui, pas en 92. OK. En 92, tu faisais la passe à ton gardien, il ne savait pas servir de ses pieds. OK. Mais depuis, ça... moi, je veux dire l'évolution au pied du gardien. Enfin, moi, je vois les gardiens aujourd'hui, je suis avec eux, les jeunes. Enfin, OK, ils sont bons au pied, mais moi, je me considère même aujourd'hui à 40 ans aussi bon au pied. Quoi. Enfin, je vois pas. Pour moi, il n'y a pas eu une grande évolution là. Elle n'est pas de là, l'évolution. L'évolution est dans De Barthez. Elle ne date pas de Petr Cech ou de Lolichon. Okay. Okay. Elle date de Barthez, où ça commence à jouer au pied. Même Lama, les premières erreurs qu'il a faites, qu'il a voulu dribbler des mecs, tout ça. Ça part de là que le gardien joue dans le champ. C'est de cette époque-là, ce n'est pas de maintenant. Hein. Donc, tu es plutôt pro-Barthez que pro-Lolichon, parce que Barthez dit à peu près ce que... Non, je ne suis pas pro-Barthez non plus, je suis pro-personne. Moi, je suis pro-foot, je suis pro-gardien, je suis pro... les mecs qui aiment le jeu, qui ont envie de kiffer, et que voilà, on joue, comme je te dis, un des plus beaux sports du... Enfin, des plus beaux métiers du monde. Non, je suis pro de personne et je suis contre personne. Tu vois, comme je t'expliquais juste avant, Lolichon, je trouve qu'il a des trucs vraiment intéressants. Après, moi, là où ça sort du contexte, c'est dès qu'on part à dire « moi, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire ». Là, je vacille, tu vois, parce que… Étienne, c'est pareil, toi aussi, tu joues, tu es dans un autre sport qui est le poker, on peut en parler aussi. Qui a la science infuse? On n'a pas, on est d'accord. Il y a des bases, mais après, chacun a son instinct, chacun a son évolution de son côté, chacun va être à l'aise d'une façon de faire, et c'est comme ça que les meilleurs se rencontrent à un moment donné. Mais ils sont, si tous les meilleurs gardiens du monde, ils étaient parce qu'il faut faire comme ça, qu'il doit mesurer tant, qu'il doit faire... Non, arrêtez les gars, c'est bon. Là, on est en train de partir dans de la... Ce que j'appelle même de la... Comment on dit ça déjà de la... C'est de l'uniformisation presque. Ouais, ça, et surtout, on... c'est comme si tu... j'ai perdu le mot. Enfin, j'ai perdu mon mot, bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est comme... Vas-y, si Étienne. Étienne, il avait une question. Ouais, c'est pour changer un petit peu de sujet, même si on reste toujours dans le thème. C'est peut-être une question bête, ce que je vais poser, parce que bon, je suis pas dans le domaine, mais là tu vas passer du coup des diplômes d'entraîneur. Ouais. Quand on passe un diplôme d'entraîneur, c'est plutôt est-ce que c'est poste par poste ou on peut être le diplôme que tu vas passer, par exemple, est-ce que c'est pour entraîner une équipe juste entraîneur classique ou entraîneur des gardiens, entraîneur des attaquants? Comment ça fonctionne? Alors je passe les deux cursus, si tu veux savoir. Je fais les deux, je fais gardien et entraîneur principal. Okay. À terme, j'ai envie d'être entraîneur principal parce que ce qui me plaît, moi, c'est le groupe. Comme vous avez dû comprendre, comme vous avez dû comprendre dans mon discours, c'est que moi, ce que j'aime dans le foot, c'est le groupe. Mmh. Et c'est ce qui me donne envie de faire entraîneur. Après, pourquoi je fais mes diplômes de gardien? Tout simplement parce que je pense que déjà, j'ai un devoir de transmettre aussi, moi, ce que j'ai connu avec gardien. Ça fait du bien parce que tu vois, en repartant là dans les diplômes d'entraîneur, tu sais, tu peux arriver en disant oui, mais attendez, moi j'ai 500 matchs, je connais tout, j'ai tout fait, mais tu apprends plein de choses. Même en retournant au plus bas niveau, tu rencontres des gens extraordinaires, tu vois des choses différentes, tu vois le vrai foot que tu as oublié pendant tes années pro. Ça, je trouve ça bien. Donc voilà, il y a vraiment ce devoir, tu vois, aujourd'hui j'entraîne même le pôle espoir féminin au niveau des filles, à des moments au niveau des gardiennes. Je veux dire, tu me disais ça il y a 10 ans, je te disais, mais qu'est-ce que je vais aller entraîner le pôle espoir féminin d'Aquitaine pour... Non, ben, je m'éclate. Et tu vois, tu rends un peu ce que tout le monde t'a donné en fait. Et ça, je le fais de moi-même, c'est... Ça ne fait pas partie de ma formation, par exemple. Ça fait partie de moi qui a envie de transmettre des choses totalement bénévolement, sans attendre quoi que ce soit.
Mais par contre, oui, je passe mes diplômes, gardien et entraîneur principal, parce que. Mais je m'orienterai plutôt dans le principal, je pense. Ouais. Je pense. Ok. Ouais, on parlait. Hey, c'est bien. Il nous fait des transitions, Étienne, sur ton avenir, en fait. Donc tu nous en as parlé. Ton ça, c'est vraiment quelque chose qui te passionne. C'est tu as envie d'entraîner un club de Ligue 1. C'est ouais, quelque... Alors tu vois, c'est là où il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Moi, j'ai arrêté le foot en 2018. J'avais 37 ans. Au Galatasaray. Ouais. Champion de Turquie. C'est ça, un super club. J'ai adoré, j'ai kiffé. Hey, Léo Dubois, il doit s'éclater alors là-bas. Hein. Ah, il doit s'éclater, ouais. Je pense. Franchement. Donc, j'arrête à 36-37. Donc, je travaille pour Eurosport, je fais un peu tout ça. Je fais mes 2-3 trucs à droite, à gauche et je profite surtout de ma famille et de ma première retraite. Et pendant 3 ans et demi, allez. Mais même pas, tu me faisais mettre un pied sur un terrain. Je voulais même plus. Je regardais à partir des quarts de finale de la Ligue des Champions à la télé. Ah ouais. J'avais plus d'overdose totale. J'en pouvais plus. Varane. Donc tu comprends Varane qui dit j'en ai marre. Là, c'est, je suis laissé. Non, mais alors moi j'en ai marre quand j'ai complètement arrêté. Ouais, voilà. Lui, il en a marre. Je suis sorti du circuit. Voilà. Je suis pas dedans. Je dis pas j'en ai marre, mais tous les mois je suis là. Quoi. Moi, quand j'étais dedans, j'étais à fond et j'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour être le meilleur possible. Mais non, je ne comprends pas quand on est en activité. Je comprends quand on en sort. Parce que quand on sort, tu sais, à un moment donné, il y a eu tellement de choses que tu as besoin de digérer, tu as besoin de faire autre chose. Et c'est vrai que pendant 3 ans et demi, je n'avais à aucun moment envie de passer un diplôme ou je n'aurais pas eu la patience, en fait. J'avais envie d'autre chose. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, en début d'année dernière, 2022, je crois, février-mars, j'ai commencé à regarder plus de matchs, à voir comme ça se passait, me renseigner, plus analyser les choses. Et tu vois, ça vient comme ça, en fait. Donc, c'est pour ça que l'avenir, il ne se construit pas directement après la fin de ta carrière. Il faut faire plusieurs choses, voir ce qui t'intéresse. Mais c'est sûr que si tu as été passionné de foot, à un moment donné, tu y reviens toujours. Alors oui, les joueurs, il y en a qui transitent direct en disant « j'arrête ma carrière et je passe direct entraîneur ». Moi, j'aurais été incapable. Mais aujourd'hui, par contre, je le fais avec passion. Ça, c'est cool. Moi, j'ai une question sur l'adrénaline. Parce que depuis que tu es enfant, du coup, tu vis pour ça. Tu vis pour le football, etc. etc. Tu passes par des centres de formation et tu passes ta vie dans ça. Ton alimentation est régie par le sport, etc., etc. Tout est autour de ça. Quand tu arrêtes cette adrénaline-là, comment tu fais pour passer justement de cette vie rythmée à ça, à une vie complètement différente, presque normale ? Au début, pendant un petit moment, ça va. Après, tu vas essayer de chercher dans autre chose. Après, Étienne, lui, il ne sait pas ce que c'est, mais quand tu as gagné beaucoup de tournois de poker tout seul, tu es content derrière ton écran, mais tu es tout seul. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est différent. Donc, honnêtement, et attention, c'est j'adore aussi. Hein. Mais c'est vrai que l'adrénaline du sport collectif dans un stade bondé, tu ne le retrouveras jamais, en fait. Ou peut-être entraîneur. Ouais, c'est pour ça que tu veux refaire entraîneur, lui. Moi, c'est le seul truc qui me manque du foot aujourd'hui, la seule chose, c'est... je rentre dans un stade de 50, 60 000. Tu sens qu'il y a de la tension dans le match. J'ai juste envie d'un truc, même si je suis incapable aujourd'hui. Mais j'ai envie de partir en courant, chercher mes crampons, mes gants. Mets-moi dans le but. Il n'y a pas de but. Hein. Tu vois, on va marquer le gars. Tu te sens encore capable, Cédric ? Tu te sens encore capable là, d'aller… Non ? Tu n'as plus le truc si... Non, pourquoi ? Parce que… Je pense que j'aurais pu faire encore un an ou deux de plus. Mais après, tu vois, avec toutes les blessures qu'on a parlé, forcément, tu le payes à un moment donné. Il y a des petites douleurs. Moi, j'ai au niveau de mes genoux, en fait. Ouais. Ou sens que oui, j'aurais pu, mais tu finis fatigué. Tu finis fatigué et à un moment donné, tu n'as pas envie non plus de finir dans un fauteuil roulant à 50 balais. Quoi. Ah, c'est vrai ça.
C'est vraiment un risque quand tu es footballeur professionnel ou autre, parce que j'ai lu un super documentaire là sur l'équipe, sur les anti-inflammatoires et les antidouleurs chez les sportifs, notamment les tennisman. Non, mais bon, on s'en parle dans le foot. Quand tu vois, on a vu il n'y a pas longtemps, on a parlé de Christian Rodriguez, on a parlé de Batista, on parle de tout ça, des mecs qui perdent aujourd'hui, on est obligé d'amputer pour... parce que la douleur est insupportable. Moi, j'ai toujours été contre ça, malgré toutes mes blessures. Alors, je prenais du Voltaren, donc c'est juste un anti-inflammatoire le jour du match, je crois. Donc, c'est autorisé, il n'y avait rien de mauvais. Mais tu vois, des fois, j'avais des douleurs, je prenais mon anti-inflammatoire et pendant 48 heures, je ne sentais plus mes douleurs. Et après, elles revenaient. Et c'est là où tu te dis... Ça masque les choses, mais ça ne soigne pas. Donc, j'ai refusé, j'ai jamais fait. J'ai dû faire une fois dans ma vie, là, comment on appelle ça, infiltration. Une infiltration, je l'ai fait une fois. Ça m'a tellement fait peur, en fait, parce que j'avais comme une petite fracture à la clavicule. J'ai voulu jouer contre Lyon, en plus. Quelle bonne idée, j'avais pris 5. Et je ne sentais même plus mon épaule tellement quand je plongeais, alors que j'avais des douleurs atroces. Et je me suis dit ce jour-là, plus jamais. Tu vois, et même mes genoux, je n'ai jamais voulu. Et à l'arrivée, tu vois, au moins, je sens quand j'ai mal ou je sens quand j'ai pas mal. Tu vois, et ça, c'est bien. Et je n'ai pas de douleur par rapport à ça. Mais je sens qu'ils sont usés et que peut-être si j'avais forcé un peu trop encore un an ou deux, ben je... Bah, c'est les dérives un petit peu, parce qu'il y a de plus en plus de matchs, on te demande de plus en plus de choses. Umtiti a payé les conséquences de tout ça. Neymar peut-être est en train de les payer actuellement. Tu sais, il a eu cette blessure à la cheville. Ça fait partie de notre truc. Tu sais, t'aimes tellement ça que tu n'as pas envie de... Enfin, demain, à un de vous trois, je vous dis, écoute, je te fais une licence pour jouer une finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid avec le numéro 10 et tu as le droit de la jouer. Par contre, le seul truc, c'est que je te pique et que tu sois en forme, ben, tu vas dire oui. Parce que tu as envie de sentir une fois ce que ça fait d'être au milieu de tout ça. Donc Karim, par exemple, Karim, là, sur la Coupe du Monde, etc., et sur ses blessures qu'il a là en ce moment avec Madrid, avec le Real, tu penses que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il a poussé à bout le truc. Et Karim, il a fait quelque chose d'exceptionnel déjà, c'est que Karim, au départ, tout le monde le déteste. Il y a tout le monde qui s'est ligué contre lui, on ne sait pas pourquoi. Avec les saisons qu'il a faites là, juste à avoir ce ballon d'or, avec ce qu'il a enchaîné. Parce que croyez-moi, à 35 balais, il s'est donné. Il s'est donné grave et il a tout. Il a dû souffrir pour aller le chercher, son ballon d'or, et faire un pied de nez à tout le monde. Que oui, aujourd'hui, il doit le payer parce que mentalement, ça a dû être très dur pour lui de maintenir un niveau aussi élevé et d'avoir été autant décisif et toute cette adrénaline. Et forcément, lui, on le sait, Karim, ça a toujours été un objectif, ce ballon d'or, dans sa vie de gamin. Quoi. Donc, quand il était gamin, il se voyait avec ce ballon d'or une fois dans sa vie. Imagine le moment où tu le tiens. Quoi. La pression, elle a dû tomber d'un coup. Se dire, là, j'ai accompli quelque chose d'incroyable. Quoi. Je suis le meilleur aujourd'hui, à l'instant T. Ben, c'est pour lui qui avait ce rêve de gamin, oui. Donc, oui, il le paye aujourd'hui, c'est clair. Il a dû tout faire pour... Enfin, tout faire, attention, on n'est pas dans des choses illégales. Quand je dis tout faire, on est tout. Tous les sacrifices à tous les niveaux, du sommeil, comme tu dis, à l'alimentation, au réveil, aux douleurs, au kiné, j'ai mal, mais je m'entraîne. Enfin, parce que oui, tu. Moi, j'ai passé une dernière année pour donner des exemples, parce qu'on n'en parle pas souvent, parce que. On n'a pas le droit d'en parler, enfin, on n'a pas le droit dans un sens, on n'a pas le droit de se plaindre, parce que comme je t'ai expliqué, avec tout ce que ça comporte autour, moi, j'ai fini à Galatasaray, où tu sais, sur mes hanches, je pense que mon corps, il en avait marre de plonger. J'avais comme c'est ce qu'on appelle des bursites, c'est-à-dire formés au niveau des hanches, à force d'avoir de l'impact depuis toutes ces années. Et souvent, ça restait 4 ou 5 jours,
Et dis-toi que les deux, trois premiers plongeons, je pense que je mets au défi beaucoup de personnes d'essayer de plonger sur une bursite. Oui, j'en ai beaucoup. De replonger dessus et de faire ça 150 fois. C'est du machisme. Hein, c'est du, ouais, du sadomasochisme. Donc, tu as joué avec des douleurs extrêmes. On est d'accord que tu as joué et souvent. Mais j'arrête. Non, pas souvent, mais j'arrête pour ça. Quand j'arrête à Galatasaray après le titre de champion de Turquie, c'est pour ça. C'est que, alors oui, j'aurais peut-être continué un an parce qu'il y avait la Ligue des Champions et que s'il y avait le quota d'étrangers, allez, j'aurais peut-être enquillé. Il y avait tous les jours, je pleurais de douleur. Et aujourd'hui, comment ça va, Cédric? Oh, voilà. Aujourd'hui, ça va très bien. Un peu les genoux quand je frappe trop dans le ballon, mais sinon, ça va très bien. Ouais, vas-y, Étienne. Pour revenir un petit peu sur ta possible future carrière d'entraîneur, est-ce que y a un entraîneur qui te fait, auquel tu aimerais ressembler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un entraîneur, je te dis ça, un Pep Guardiola, un Genesio, un Rudy Garcia, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui je pense que toi qui es maintenant aussi dans un sport avec qui commence à connaître pas mal de monde dans ton domaine, enfin dans ton autre domaine, tu as envie de prendre un peu de chaque. Tu sais, tu as envie de composer toi-même ton camembert en disant, mais tiens, j'aime un peu de ci, un peu de ça. J'ai bien aimé ce que lui a fait. Tiens, je vais le prendre, je le note. J'ai bien aimé ce que lui a fait. Je vais essayer de créer parce que là où je pense que c'est important, comme dans tout sport de haut niveau où tu as des mecs qui ont quand même un peu d'ego, que si tu n'as pas un peu d'ego, tu ne réussis pas déjà. Parce qu'il en faut un petit peu en haut, parce que il faut se faire la place. Hein, donc, tu n'as pas le choix d'être un peu sûr de toi. Donc, tu as envie de créer ta propre personnalité. Mais oui, si je devais prendre un peu de chacun, je prendrais de pas mal, quoi, je pense. Un peu de Laurent Blanc, un peu de Francis Gillot, qui n'était pas le plus médiatisé, un peu de Hertz, un peu de plein, en fait, même de ceux que je ne connais pas, de ceux que j'ai juste affronté. Et tu prends aussi ceux que tu as bien aimé, mais des fois, tu te dis, ça, quand ils l'ont fait, ça s'est mal passé. Donc, tu notes aussi les choses peut-être qu'il n'y a à pas faire pour essayer de te créer une personnalité. Comme je dis, je pense que le plus important quand tu es entraîneur, c'est de moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, c'est qu'il faut être fidèle à ce que tu racontes, en fait. Si aujourd'hui, tu vas devant un groupe et que tu lui dis ça va se passer comme ci, comme ça, la pire erreur, c'est à un moment donné, une des choses que tu as expliquées que finalement, tu la remets en cause. Tu vois. Et si tu n'es pas juste avec tout ton groupe, c'est compliqué. Et tu vois, voilà, moi, c'est comme ça que je vois le truc, en fait. J'aime bien le côté un peu authentique, naturel de Digard en ce moment à Nice. Ouais. Tu sens que le mec, il arrive, il est comme il est. Allez, on y va, on va voir. Peut-être ça marche. Bientôt sur un banc, alors peut-être. Bientôt, si tu réussis tes diplômes. Ouais, j'ai encore un peu de temps pour les diplômes, mais par contre, j'espère, honnêtement. Vous imaginez si j'entraîne Lyon dans 10 ans, on va rigoler. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu vas faire tes stages d'ailleurs d'entraîneur. T'as choisi un petit peu où est-ce que tu vas aller? Bon, je vais aller un peu partout, mais je passerai, je pense, à Lyon, hein, si Laurent Blanc est là. Je viendrai. Ça, donc peut-être l'année prochaine. Alors, peut-être pas de cette saison, mais… Dans cette saison, non, ça c'est sûr, mais peut-être l'année prochaine. Ça va être pas mal, ça. Ça serait une bonne expérience. Et puis, pour finir, là, parce que j'ai vu que tu lançais une chaîne Twitch ou quelque chose comme ça sur les paris sportifs. Conseil en paris sportifs, c'est quoi, ça? Non. C'est des conneries. Non, c'est pas des conneries du tout. C'est vrai que c'est un truc qui me passionne. Tu sais, comme si tu préfères, j'ai toujours baigné. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai croisé Étienne sur des tables de poker. J'y joue depuis 2010 en France. J'ai eu aussi, quand j'ai arrêté le foot, je me suis intéressé aux paris sportifs. Et surtout, j'avais beaucoup de monde qui me demandait ça, qui me disait ouais, Céd, qu'est-ce que tu ferais sur ce match-là? Écoute, toi qui connais bien le foot et tout, donc je disais, écoute, moi, vu le match, je ferais ça, tout ça. Et le mec, il revenait me voir, il me disait, attends, ça a marché, Coco, tu peux me redire pour le prochain?
Écoute, j'en sais rien. Alors, je me suis intéressé au truc. Tu vois, j'ai commencé à me mettre dedans, à me voir comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui se faisait, etc., etc. Et je me suis retrouvé avec une quarantaine ou cinquantaine de gars sur Discord avec moi qui me posaient des questions pour parler des paris sportifs. Et du coup, j'ai dit, ben, je vais créer un site, vu que j'aime le poker, que j'aime le pari sportif, que j'ai toujours trempé un peu dans ces milieux d'argent, de casino, de trucs. J'ai dit, ben, je vais créer quelque chose. Tu peux perdre les pédales avec tout ça, hein, dans ces jeux d'argent. Non, ça peut pas te... Non, c'est raisonnable. Je voulais le faire parce que en fait, je suis quelqu'un de très détendu par rapport à ça, mais pas du tout dangereux, quoi. Tu vois, je suis quelqu'un... Je sais. Étienne, il connaît. Ouais. Je joue au poker. J'ai un bankroll management strict. Ça y est, on a perdu. Ça y est, c'est mort. On a dit bankroll management, on a perdu 50 viewers. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte là? Non, mais voilà. Bref, ce que je veux dire, c'est que. Et je voulais faire quelque chose dans le sens un peu ludique où c'était un ancien pro. Où on va parler paris sportif, mais paris responsable. C'est-à-dire que j'expliquais comment on pouvait jouer, j'ai analysé des choses en se faisant plaisir, sans mettre sa vie en danger, en fait. Et on peut s'amuser tous au paris sportif, et c'est ce que j'avais démontré avec 50 personnes sur 6 mois, qu'on pouvait faire du paris sportif, gagner un peu d'argent ou pas en perdre beaucoup, mais en même temps en s'amusant, en vivant les matchs tous ensemble, etc. Donc, c'est ce que j'avais créé au départ. Sauf que j'adorais le projet, mais tu ne peux pas avoir une licence de la Fédération française de foot et avoir une chaîne Twitch de conseil à paris sportif. On va me demander, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux être entraîneur et en même temps conseiller à paris sportif sur ton équipe? Non, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, j'ai mis ça en stand-by complet parce que je ne peux pas faire les deux, en fait. Je peux ou entraîneur ou tu fais dans ce mode-là. Il faut savoir choisir. Donc, j'ai vécu une toute petite aventure avec une cinquantaine de personnes et voilà quoi. Donc, OL Lance, c'est quoi le prono de Cédric pour OL Lance? C'est OL Lance là, avec la victoire contre Lille. Ouais, ça gagne l'OL, ça c'est sûr. Retenez bien ça. Il retient, ça sera mon pari. Non, mais voilà, par contre, tu vois, sur un match comme ça, je dirais, mais écoute, moi je préfère jouer autre chose. Après, on me demande, je me jette à l'eau, mais honnêtement, ça va être un match fermé, mais je ne dirai jamais, faites comme j'ai dit. Quoi. Bien sûr. Je trouve ça. C'est de l'instinct. Tu vois Lyon revenir dans le. Allez, top 5 avant la fin de saison ou pas? Moi, je top 5 dès cette année. Attends, je vais faire le tricheur. Je regarde le classement. Tu peux. On est à 8 points de la 5e place, c'est ça? 8 points de la 5e place. Ouais. Ouais, mais ça peut-être, mais ça dépend qui c'est devant toi. C'est ça le problème. Il y a Rennes. Ouais. Rennes, Lens, Nice. Moi, franchement. Après, putain, tes équipes chiantes devant. Ouais. Là, on a joué un peu le bas de classement. Allez, je pense, les gars. Mais ouais. Cinquième, ils peuvent accrocher la cinquième, moi, je pense. Donc là, c'est quoi? C'est la Conférence League? Là, il y a eu beaucoup de mouvements là, à cet hiver ou pas? Ah oui. Oui, beaucoup de départs en prêt. Et trois arrivées, dont celle de Lovren. S'ils battent Lens, je te garantis qu'ils seront dans les cinq premiers. Ok. C'est un vrai pronostic, ça. Puisque le match contre Lille était un véritable test. Il a peut-être pas tort, Cédric. Hein. Il nous redonne un petit peu le sourire, hein, l'optimisme. Et c'est le genre de match, Lille, où ils n'ont pas eu trop de ballons et tout. Et tu penses que tu vas gagner en menant 2-0, tu te fais rejoindre. Finalement, tu gagnes au pénalty. Ah ouais, ça solidifie quelque chose. Hein. Ouais, ben ça crée un groupe en général. Je suis d'accord. Bref, bah écoute, on arrive au bout de cette émission de 2h24 passionnante et beaucoup de messages dans le chat qu'on a relayé, que tu as vu, qui sont vraiment émerveillés de t'avoir, un mec authentique, sympa. Franchement, vraiment, j'ai reçu même des messages là où on me dit, franchement, c'est
top, top, top. L'interview avec Cédric. Et franchement, hey, tu vois, regarde, on n'arrive pas à avoir des anciennes gloires lyonnaises. Ton Anta, c'est exceptionnel. Tu vois, rien que ça, tu es une légende de la Ligue 1. Tu as énormément de choses à dire. Et ça, c'est passionnant pour nous qui sommes des simples supporters. Nous, on kiffe le foot. Et avoir ce lien un petit peu avec des anciens joueurs et grands joueurs, et ben franchement, c'est top. On a une autre vision des choses et je trouve ça vraiment passionnant. Et merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Tu vois, on a... notre famille. Ouais. Ouais, on a dit on va se faire une heure d'émission, mais en fait, on avait tellement de choses à dire. Ah, mais franchement, c'est 2h25, mais on a parlé de beaucoup de choses. Et sincèrement, je pense que ça nous a éclairé, vraiment. Merci pour ta franchise, surtout. C'est passionnant de découvrir l'intérieur du monde du football, parce qu'on sait très bien que ça n'a un peu rien à voir avec ce qu'on voit de notre prisme à nous. Bien sûr. Et ouais, c'est à l'après-carrière, finalement, où on voit des choses, tu vois, où tu peux parler un peu plus franchement. Il y a des trucs avec du recul qui sont analysés, tu vois, c'est intéressant. Ouais. Mario Guerra qui dit mes deux principaux souvenirs de Cédric, c'est le coup franc de Juninho et ma sœur qui avait le béguin pour lui. Voilà, je pense que c'est le plus important. Hey, avec ta coupe, avec les pics là, oh là là, tu sais, ça, ouais. Ça c'était année 2000. C'était année 2000, ça, c'était vraiment la Ligue 1 qu'on a aimé et voilà, c'était un autre temps. C'est vrai qu'on vieillit tous un peu. Voilà, moi, je suis de la même génération que toi, Cédric. Mais... ouais, voilà, ça sera autre chose. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, on te souhaite le meilleur. Merci. Merci à tout le monde, en tout cas. Merci à Étienne. Étienne, on se recroisera quand il arrive. Pas de problème, ne me prends pas mes jetons, s'il te plaît, la prochaine fois. Merci beaucoup, Cédric. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis pendant 2h25. Vous pouvez évidemment voir cette émission en replay quand vous le voulez. À très bientôt, les amis. Ciao. Merci, Cédric. Merci à tout le monde. Merci à Constant et merci à Étienne. Ciao.